Et bonjour, bonjour à toutes et à tous. Hey! J'espère que vous nous voyez, que vous nous entendez. Bah, tu peux venir si tu veux, hein. Il n'y a pas de secret. Salut à toutes et à tous, regardez, on est dans un cadre incroyable. Il est beau, hein. On est directement sur le stand de l'Orcana, on est au Festival International des Jeux. Et comme vous pouvez le voir, ils ont mis les petits plats dans les grands. Le stand est exceptionnel, il y a plein de tables. Vous pouvez découvrir le jeu, apprendre à y jouer, affronter d'autres joueurs, bien sûr. Et regardez, les couleurs qui changent en direct. C'est il magnifique. Est en train de nous changer les tours, il nous les met en violet et tout. On aurait pu lui demander du jaune, comme les joueurs du dimanche. Mais finalement, on s'est dit violet, comme l'Orcana. Exactement. Ça nous paraît absolument parfait. Est-ce que ça va au niveau du son, notamment parce qu'on est justement eh bien, avec notre petit matos déporté. Mon cher Max, on est à Cannes ici, c'est bien loin de notre région parisienne natale. Bon, pour moi en tout cas. Voilà. Est-ce que ça va au niveau du son? Est-ce que ça va au niveau de l'image? Tout est nickel. Tout est nickel, bah, c'est parfait. Et donc c'est merveilleux. Parfait. Donc on est au... Ouais. Je suis avec Rofellos. C'est comment vrai, ça va, merci. Rofellos? Bah, ça va très bien, toujours, uh-huh. Évidemment. En plus, on est là pour faire du jeu de cartes et ça, c'est évidemment, ça me régale. Avec des cartes de la série 3 notamment. C'est ce que tu as devant toi. Exactement. Puisqu'en gros, tu as ouvert des boosters. Ouais. Tu vas construire deux decks, c'est ça? C'est ça. Et ensuite, on va s'affronter. Alors, on est 8. Vous allez découvrir un petit peu au fur et à mesure. Il y a un petit peu de monde. Dont une personne qui est un des game designers du jeu. Avons-nous une chance? Bon, oui. Je vais le défoncer. Il n'y a pas de souci. T'es un peu saturé sur le son, il paraît. Je suis un peu, Max. Moi, saturé. Et effectivement, regarde, mes oreilles, je vais baisser un peu. Normalement, ça devrait être mieux, les voilà. Amis. Voilà, ça devrait être mieux comme ça. Et toi, je vais te décaler un peu, comme ça tu vas être parfait. Ouais. Voilà, normalement vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Vous avez un plan sur les cartes. Je crois qu'on peut difficilement faire mieux. Alors évidemment, on n'est pas comme à la maison. C'est vrai. Vous n'aurez pas un zoom x1000 sur les cartes, bien sûr. Mais on fait comme on peut. Pendant que tu vas deck build, expliquer un petit peu les cartes, faire ta vie, moi je vais essayer de faire en sorte de pimper encore plus le live et de vous proposer des trucs encore plus cool. Mais pour le moment, on va expliquer peut-être le format de ce tournoi. Parce que là, en gros, on est parti pour s'affronter à 8 sur un scellé. Exactement. Du chapitre 3. Tout à fait. Je te laisse la parole. On y va, c'est parti. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes le vendredi 23 février 2024 et sort dans les boutiques spécialisées le chapitre 3 de l'Orcana. L'Orcana 7-3, les terres d'encre. Si jamais ça vous intéresse, on a mis en ligne à 8h ce matin, puisque c'était la fin de l'embargo, un unboxing, ou justement un double unboxing. On a fait un contest d'unboxing avec Max Hildan, c'est retrouvé sur sa chaîne. Et si vous aimez bien savoir quelle carte fait quoi, etc., machin, et bien sur ma propre chaîne, j'ai analysé les 204 cartes de l'extension. J'en ai découpé ça en 7 vidéos, la première est sortie aujourd'hui. Et ça tombe bien, puisque je vais pouvoir maintenant, fort de cette expertise, et bien voir un petit peu quelle carte je vais mettre dans mon deck. Pourquoi? Parce que sur un format paquet scellé, on va prendre 6 boosters, 6 boosters de 12 cartes, je rappelle. Donc on aura l'équivalent de 72 cartes. Et sur ces 72 cartes, on va faire un deck de 40 cartes minimum. Ça veut dire que je vais devoir en retirer 32. Donc on va surtout retirer des cartes de ce truc-là. Alors pourquoi pas en retirer plus? Parce qu'on ne peut pas moins. Et surtout parce que dans ce format scellé, je peux jouer toutes les couleurs que je veux. Donc vous voyez, normalement, quand sur d'autres jeux de cartes, je vais avoir tendance à trier d'abord par couleur et puis après à trier par coup, éventuellement, ou par type. Là, j'ai directement fait un tri par coup, puisque, encore une fois, les couleurs ne comptent pas, je peux jouer vraiment ce que je veux. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va pouvoir mêler des associations, en tout cas avoir des associations de cartes qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et notamment, cette édition-là, il y a un nouveau type de carte qui s'appelle les lieux. C'est d'ailleurs la première vidéo de ma chaîne, c'était vraiment pour parler des lieux en particulier. Lieux qui, je trouve, en construit, pour l'instant, il faut encore qu'ils trouvent leur place. J'ai l'impression que ça va être un petit peu dur dans cette première édition où il y a des lieux. Par contre, en scellé, ça peut être intéressant, effectivement. Alors, je vais raconter vite fait ce que c'est qu'un lieu, parce que c'est vraiment un petit peu, je vous dis, la nouvelle figure. Bah, déjà, on voit que ce lieu, il est de travers. C'est une carte, en fait, qui est horizontale, parce qu'on va la mettre comme ça. Et en fait, le principe du lieu, c'est qu'on va donc le jouer pour son coup normal. Regarde, j'ai zoomé de ouf. Voilà, parfait. Tiens, je le mets là comme ça, c'est mieux. Je vais me décaler un petit peu, Max, parce que je suis pas en face du tapis, vraiment. C'est ta vie, mon frère. Ok, je te dis pour cette caméra. Voilà, et bien donc ce lieu-là, on va le mettre comme ça. Et en fait, on va pouvoir, donc c'est uniquement à nous, c'est notre lieu, à pouvoir mettre des personnages sur le lieu en payant le coût qui est ici. Donc là, en payant 1. Alors, si je fais ça, bah, ça n'a pas vraiment trop d'intérêt. Par contre, il y a certains
Il y a certains, voilà, par exemple ce petit AA, il va avoir un petit bonus une fois par tour. Lorsque ce personnage est déplacé sur un lieu, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Donc il y a des avantages comme ça à mettre certaines cartes sur des lieux. Et des lieux, là il n'y a pas de capacité, mais certains lieux ont une capacité qui vont booster les personnages. Donc ça peut être intéressant à voir. Il n'a pas de force en fait ce lieu, mais il a 5 de volonté. Il peut se faire attaquer directement. On peut attaquer les cartes sur le lieu, on peut attaquer le lieu directement. Et donc il va être banni si jamais on arrive à 0 de volonté. Et si jamais c'est pas le cas, au début de chacun de notre tour, on va ajouter à notre compteur de l'or ces petits points qui sont là. Je rappelle que le but de l'Orcana, c'est d'arriver à 20 l'or. Donc là, si jamais celui-ci, à chaque tour, au début de chacun de mes tours, il va m'ajouter de l'or, ce qui peut être intéressant. Donc c'est une mécanique qui est plutôt cool, mais qui est un petit peu fragile, on va dire. L'avantage, c'est qu'en limité, comme on a encore une fois, on doit faire notre deck qu'avec les 6 boosters présents, on va faire un peu ce qu'on peut. Ce sera forcément moins efficace qu'un jeu construit où là on ramène un jeu de 60 cartes où on a mis énormément de cartes qui synergisaient entre elles. Donc c'est un peu plus lent, c'est un peu plus mou le format scellé. Et c'est d'ailleurs le format idéal si vous voulez commencer à jouer en tournoi à l'Orcana. Voilà, si jamais vous voulez faire des événements, il y a sûrement des événements avant-première qui sont pas loin de chez vous. Et donc ça permet de jouer facilement en scellé puisque entre guillemets chacun a les mêmes chances étant donné qu'on va ouvrir 6 boosters. Alors il y a peut-être des gens qui auront plus de chances que d'autres hein, évidemment, et bien sûr les joueurs expérimentés auront un avantage, mais contrairement à j'ai ramené un deck parce que j'ai ouvert des boîtes et des boîtes, j'ai fait des échanges etc, j'ai réussi à avoir un deck parfait et le gars qui vient d'arriver avec son starter deck, forcément ça va être un petit peu plus compliqué. En parlant de starter deck, il y a 2 starters qui sont sortis dans cette édition, un qui va être Ruby et qui a cette couleur saphir, donc bleu et rouge en gros, et qui va être basé, il y a pas mal de thèmes, on va retrouver le thème combattant, il y a un petit peu de cartes qui boostent les lieux, etc. Et on va retrouver un deck qui va être ambre et émeraude, donc jaune et vert en gros, et qui va être pas mal notamment sur les sangs dalmatiens et le fait de pulluler des cartes. En parlant de ça, on va évidemment entrer dans le vif du sujet. Donc j'ai eu la chance de récupérer par exemple ce Lucky. Alors est-ce que je vais baser mon deck autour? Je vais en tout cas voir un petit peu, déjà retirer les cartes et voir avec vous ce que j'ai eu, retirer les cartes qui me paraissent pas forcément intéressantes en tout cas dans ce scellé pour pouvoir avoir un bon deck, un deck solide. On dit généralement que dans un scellé, en fait, il y a plusieurs types de stratégies. Il y a plusieurs stratégies, plusieurs thèmes sur un deck. Par exemple, il va y avoir le thème agressif, où on va mettre un maximum de petites bêtes et essayer de déborder l'adversaire, notamment à l'Orcana, en ayant un maximum de points de l'or. Genre, je pense par exemple à Simba. Ils ont édité un Simba qui va vous rappeler le Pinocchio du chapitre 2, pour ceux qui connaîtraient, et qui coûte que 2 et qui va à l'aventure à 3. Ce qui est très fort, mais du coup, c'est très agressif et en fait, très vite, on va pouvoir se le faire battre facilement. Et à l'inverse, il va y avoir des jeux très contrôle, notamment je pense par exemple à le jeu qui va être Saphir Acier, et là les jeux très contrôle ont tendance à gérer un petit peu les cartes au début, puis après à mettre des grosses cartes. Là on est un petit peu, donc en scellé on fait un peu avec ce qu'on a, et souvent on va être dans ce qu'on appelle du mid-range, c'est-à-dire il y a un petit peu tout. On va mettre des cartes un petit peu au départ pour se défendre, et puis on va quand même pas mal compter, notamment parce que l'Orcana est quand même un jeu, notamment en scellé, qui je vous le dis, et quand même à un rythme qui est assez lent. Du coup, on peut se permettre de mettre des grosses cartes et voir. Mais il faut quand même avoir de quoi se défendre. Donc, allez, on y va sans plus tarder. Alors ça, je ne sais pas si ce sera le deck de Max ou de moi. Moi, en fait, je vais faire 2 sessions de construction. Je vais essayer d'aller vite. Je vais vraiment faire ce que je peux. Et ensuite, on choisira un au hasard ou on verra. En tout cas, ce voyage-là, ça va fonctionner uniquement avec les lieux. Je ne pense pas que ce soit une très bonne carte. Pareil pour Réparation de Fortune. Je parle évidemment dans ce format scellé, bien sûr. Milosage peut être intéressant puisque des 2-2 pour 1, on va pouvoir les garder. Ordre de la Patronne, ça met le soutien à une bête. C'est pas forcément ce qui va m'intéresser. J'ai un lieu qui... en fait, le problème des lieux, c'est qu'en fait, si jamais je les jette tour 1, ça peut être cool. Si jamais je commence à le récupérer à la fin de la partie, ça va pas forcément faire trop le taf. Donc je pense que pour l'instant, je vais pas le mettre. Ce kit, il a hors d'atteinte et il coûte 1, mais il est pas assez, fort. Pour le moment, vous avez dit, donc il met rien à part ça. Vous inquiétez pas, puisque de toute façon, les cartes à 1, généralement, sont pas les plus impactantes. Ce qui va plutôt m'intéresser, ça va être les cartes de la fin. Offrir un don, pareil, nouvelle petite capacité de ce chapitre 3. On va pouvoir déplacer des jetons dommages. Ça peut être cool, ça peut fausser des calculs, mais ça, c'est un peu trop situationnel, donc je ne vais pas le mettre pour le moment. On a quoi ? Nice, 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 nice. J'ai pas, excuse-moi, je suis dans mon truc.
Ah bah c'est pas, là ça va être un peu compliqué puisque je fais le truc, mais j'avoue que pas mal. On a donc, j'ai eu un deuxième Milotas, c'est toujours une 2-2 pour 1, on est content de l'avoir. Ça c'est une mini qui va être bien surtout quand elle va être dans un lieu. Encore un lieu assez basique. Adepte de Tchernabok qui est bien parce que en fait ce qu'on va chercher le plus à faire, encore une fois quand on a le temps, le rythme du format scellé quand même assez lent. Eh bien, on va essayer de faire un maximum de cartes qui, si possible, font du card avantage. C'est-à-dire que là, avec cette carte-là, alors card avantage, là c'est peut-être un particulier, mais en tout cas, une carte qui permet de dire bah, au tour 1, je vais avoir une 2-1, je vais pouvoir aller à l'aventure à chaque tour, ou même lui casser ces petites 3-2 ou j'en sais rien qui peuvent m'embêter, c'est cool. Et en fin de partie, elle va quand même être utile. C'est-à-dire que c'est une carte que je peux poser, je peux l'envoyer à l'aventure, la bannir et piocher une carte, donc elle se recycle. On est plutôt content. Et Zazu, qui va avoir un avantage quand il est sur un lieu. Pour l'instant, j'ai pas trop spécialement envie de jouer lieu. Donc voilà, je vais rester sur ça. Ça, en tout cas, j'ai l'impression que ce sont des cartes qui sont carrément jouables à 1. Ensuite, à 2, on a le Simba. Alors, est-ce que je vais mettre le Simba? C'est ça le problème, c'est que je vais essayer là de mettre des cartes qui sont à peu près bien dans toutes les situations. Le problème de Simba, c'est quand on est derrière en termes de lore. Et voilà, si jamais par exemple, je ne commence pas la partie, ça va être un petit peu compliqué. Donc, je ne suis pas forcément sûr de le mettre. Hey, par exemple, l'avantage d'être une 3-2 pour 2, bah, c'est qu'il a des stats plutôt fortes. Qui fait que si jamais je suis devant, bah, je vais quand même l'utiliser et ça va être cool. Si jamais je suis derrière, je vais pouvoir tuer ces bêtes. Et en tant que 3-2, c'est pas mal. Donc, même si jamais je n'ai pas forcément de lieu, le Hey va plutôt intéressé. Une chanson qui sert pas à grand chose, choisissez un objet, bannissez-le, on aura des objets très impactants sur la game, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Notting Game qui est un lieu vanilla puisqu'il n'a pas de capacité pour l'instant, je vais mettre de côté. Distraction, moins 2 pour le reste de ce tour, piocher une carte. Alors ce qui n'est pas si mal, c'est que ça permet d'envoyer les bêtes adverses sur une bête et d'éviter que nous en fait on se prenne des dégâts en retour. Donc c'est pas impossible, et puis surtout il y a marqué piocher une carte, donc au pire c'est jamais une mauvaise carte, ça permet toujours de pouvoir se recycler, donc pourquoi pas. Mystique est une 2-3 pour 2, ça reste des stats un peu correctes. Le prochain objet coûte 1 de moins, je vais le virer pour l'instant parce que je trouve que c'est pas, voilà, encore une fois ça va être un petit peu difficile d'avoir des trucs qui sont très synergisants, donc je vais virer ça. Piocher deux cartes, puis choisissez et défausser une carte. Alors ça, l'avantage, c'est que ça fait pas de carte avantage puisque je vais dépenser une carte pour en recevoir qu'une seule. Par contre, ça fait du quality advantage, oui. 20 minutes. Ok, d'accord. J'essaye de bourrer. De quoi? Ah, tu peux. Ah, mais ça, bien sûr. Ça, aucun problème, bien sûr. Avec ce qu'ils ont reçu. Avec... Oui, bien sûr, aucun problème. Oui, bien sûr. En fait, là, je suis en train de créer un deck, mais si jamais on veut le changer entre les rondes, c'est ce qu'on appelle la construction continue, et c'est évidemment ce qui est publicité à l'Orcana, qui, on le rappelle, est clairement le TCG qui est le plus facile, c'est clairement le plus accessible, c'est le plus facile de rentrer. Si jamais vous ne connaissez pas trop le TCG et que ce que je vous dis est un petit peu nébuleux, eh bien, je vous rassure que, notamment avec les decks préconstruits, et puis même avec quelques boosters, on peut vraiment s'amuser assez facilement à l'Orcana. C'est un des gros points forts du jeu. Retirage 4 champs de dommages involus au personnage, ça nous intéresse pas. Un petit pandar, 3-1 qui va booster les personnages de Nidhiwu. En fait, encore une fois, là, ce qui va peut-être être intéressant, c'est qu'on a une 3-1 pour 2, donc elle peut éventuellement se défendre. 3-1 charge, en vrai, je préfère une 3-1 charge. Le problème, c'est qu'elle coûte 2, elle n'est pas ancrable. Une petite 2-2 qui va à l'aventure à 2, pourquoi pas. On rentre dans les cartes où c'est clairement possible de les mettre à partir de 2. On peut clairement s'amuser avec Deladuck qui est une 3-3 combattant pour 2 qui va être assez solide. Kida qui va nous rappeler Simba de la série 1 que je vais vouloir mettre également. Vous voyez, c'est Kida par rapport à Mystique, c'est strictement supérieur puisqu'elle a les capacités rempart. Donc je peux éventuellement me défendre en tout cas mes créatures avec. Ce Picsou qu'on peut retrouver d'ailleurs en version promo si jamais vous êtes sur Cannes, il y a une version promo de ce Balthazar Picsou que vous pouvez récupérer avec un petit logo différent qui prouve qu'il est promo. Il marche bien avec les objets, donc pour l'instant je vais le virer. Une 1-3 charge, bah, je préfère une 3-1 charge hein, clairement, donc 1-3 charge pour le moment je ne vais pas forcément y aller. Monsieur Mouche qui est pour moi un très très bon tour 2, puisqu'il est 3-3, il aura 2, ce qui est vraiment des stats exceptionnelles, mais à la fin de votre tour, si ce personnage est épuisé et que vous n'avez aucun personnage capitaine en jeu, infligez-lui un dommage. En vrai on s'en fiche un peu, même si on n'a pas de capitaine, on a quand même une carte qui est vraiment très forte à jouer tour 2, et qui même à la fin peut aller chercher du lore à 2, donc ce qui est intéressant. Et enfin, le lieu que pour l'instant je ne vais pas mettre, voilà. Donc là je fais un petit pré-tri et puis ensuite je repasserai évidemment dessus. Peter Pan, 1-3 charge pour 3, et ça valorait à 2, tant que vous avez un personnage à fait clochette en jeu, ce personnage gagne plus 2. Ce qu'il faut regarder avec ce genre de bonus, c'est est-ce que si je l'ai pas, c'est quand même bien. Bon, en vrai, une 1-3 qui aura 2,
pour 3, c'est OK, elle peut aller à l'aventure si on veut, c'est à peu près OK. Gustave le Géant, il est particulier, il est 6-6, il arrive en jeu épuisé, et chaque fois que l'un de vos autres personnages est banni, vient un défi durant votre tour, vous pouvez redresser ce personnage. Le problème de ça, c'est que c'est un peu à double tranchant. Ça peut vraiment être une carte un peu morte, donc je trouve que c'est un peu risqué, donc je préfère ne pas la jouer. Alors on a un lieu qui est intéressant, puisque dans Chetiana, il coûte 3 non ancrables, les personnages sur celui ne peuvent pas être défiés, mais il a 8 de volonté, donc ça peut être intéressant, il va chercher un lore à 1. Pour le moment, je ne vais pas le jouer, mais en tout cas, ça reste un lieu qui a une capacité, quoi, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, on avait beaucoup de cartes Vanilla. Ce Flotsam qui est 5-3 pour 3, qui va booster les Jetsam, en vrai, 5-2 pardon, pour 3, l'avantage c'est que ça reste une carte qui est à peu près OK. Choisissez un personnage adverse, épuisez-le, choisissez ensuite un de vos personnages qui gagne offensif plus 2. Le fait que ce soit... Alors, ce qui est bien, c'est que ça fait clairement fils d'anti-bête. Donc on va pouvoir dire, la bête que tu vas garder et à qui tu vas me tuer, je ne sais pas, au prochain tour, parce que tu as suffisamment de l'or, je vais l'engager, je vais la défier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça coûte un peu cher, vous voyez, 3 et notamment non ancrable. Ça permet de faire une sorte d'anti-bête, et on sait en paquet scellé que les anti-bêtes, donc les removals, sont des cartes très intéressantes. Donc, C'est pas la carte que je préfère, mais pourquoi pas. Une petite 3-3 pour 3 soutien, c'est jouable. Elle qui dit choisissez un personnage, retirez les 3 jetons dommage, piochez une carte. Donc quoi qu'il arrive, on a quelque chose qui permet de piocher une carte, donc ça permet de se cycler. Donc c'est pas nul. Et alors, Ursula, carte légendaire que j'ai ouverte chaque fois que ce personnage chante une chanson, vous pouvez rejouer cette chanson gratuitement du pilote des fosses, puis la remettre sous votre pioche. C'est évidemment fort. Regardez, si je le fais à guérir les blessures, et ben ça me permet de pouvoir piocher, de pouvoir guérir de bêtes et de pouvoir piocher deux cartes. En fait, le fait que j'ai Ursula. J'aurais peut-être dû d'ailleurs commencer par ça, je commençais par mes bombes un petit peu, voir un petit peu les vraies grosses cartes que j'ai dans mon jeu, mais ça c'est vraiment, ça peut être cool, mais il faut des chansons. En fait c'est une carte qui sera bien, j'imagine, en construit, après il faut des chansons, donc on verra si j'ai suffisamment en limité. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez les deux premières cartes de votre pioche, remettez l'une d'entre elles sur l'autre en dessous, ça permet de contrôler un petit peu la pioche, après les 2-2, il l'aura à 2, ça peut être à peu près jouable. Choisissez un lieu ou un objet, bannissez-le. Ça peut être cool en vrai dans ce limite-là, parce que peut-être que des gens vont jouer des lieux et que sur certains moments ça peut être un peu pénible. Donc du coup, je vais pouvoir mettre ça pour pouvoir le casser, pourquoi pas. Ce petit turbo qui est bien parce que surtout il est 2-3 insaisissable. Donc il va pouvoir tranquillement aller à l'aventure sans que l'autre nous embête trop, à moins qu'il ait lui aussi des cartes insaisissables. Et on peut choisir un objet et le bannir. Encore une fois, on n'aura pas énormément d'objets, mais ça peut être intéressant. Et enfin, un Mickey Mouse 3-3 pour 3. Ce personnage gagne plus 1 pour chaque lieu que vous avez en jeu. Donc ce sont des cartes qui ne sont pas forcément dingues, et notamment parce que je ne sais pas si je vais jouer beaucoup de lieux, mais qui par contre ont un intérêt certain d'être assez solide. Voilà, et ça c'est clairement ce qu'on recherche. On a Lucky. Alors Lucky, il faut voir s'il est intéressant dans ce jeu, parce qu'il est bien, il est dans le deck... dans le starter deck. Révélez les 3 premières cartes de votre pioche. Vous pouvez ajouter toutes les cartes personnages coûtant 2 ou moins à votre main. Remettez le reste sous votre pioche ou dans votre choix. Ça permet de faire du card avantage si jamais on a pas mal de cartes à 2 ou moins. Donc ça, il faudra voir en fonction. Mais il y a aussi autre chose qui est que si vous avez au moins 4 autres personnages en jeu lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, vos autres personnages gagnent plus 1 de l'or pour le reste de ce tour. Donc on peut très bien aller dans une stratégie où je vais pondre les cartes de ma main, attendre un petit peu et au moment opportun, hop, partir à l'aventure avec plein de choses pour pouvoir me gaver. Donc, c'est jouable, 3-4 insaisissable. La capacité insaisissable est vraiment intéressante, notamment en scellé, donc je pense qu'on va la mettre. Voilà, le manoir de Picsou, on commence à avoir un lieu qui est vraiment cher, mais qui du coup va avoir beaucoup de volonté, qui l'aura d'eux. Ça peut peut-être commencer à être intéressant à mettre ce genre de lieu, parce que clairement pour finir la partie ça peut être sympa. En tout cas, on peut peut-être tester. Peter Pan, qui est une rare, qui dit une fois par tour, lorsque ce personnage est déplacé sur un lieu, gagner un nombre d'éclats de l'or égal à la valeur, donc au... comment dire, qui est égal au nombre de l'or que produit le lieu. Donc ça peut être cool. D'ailleurs, j'ai passé Agrabah parce que j'avais mis les cartes là. Mais en fait, si je commence à mettre Peter Pan, Agrabah, le manoir de Picsou, il y a peut-être un petit coup à jeu. Je vais voir une petite 6-2 pour 4. C'est un peu vanilla. Il n'y a pas de capacité, mais ça peut tuer des bêtes adverses, donc éventuellement. Vos lieux et personnages sur des lieux gagnent résistance plus 1. Ça, je pense que c'est pas assez bon. Il faut des lieux, il faut des... Voilà. Bernard, à la fin de votre tour, si le personnage est épuisé, vous pouvez choisir et redresser l'un de vos personnages. C'est une carte, j'avais dit dans ma description des cartes Ambre. Qui m'avait un petit peu déçu, mais clairement en scellé, on est quand même pas mécontent de l'avoir. Pouvoir redresser un personnage qui serait justement susceptible de se rebattre au prochain tour, ça peut être cool. Et puis il l'aura 2, on est plutôt content. Patch qui va baisser les points de force d'une bête adverse, ça peut être sympa aussi. On a un deuxième manoir de Picsou, Archibald Gripsou, qui va avoir insaisissable durant nos tours, ça va permettre de tuer les cartes insaisissables adverses. Le château de la reine, qui est une rare,
début de votre tour pour chacun de vos personnages sur ce lieu, vous pouvez piocher une carte. Ça, c'est cool parce que ça peut faire du card avantage. Et clairement, là, on commence à voir que on va avoir des lieux qui coûtent un peu cher, mais qui peuvent vraiment faire en sorte que la fin de partie se passe plutôt bien. Et un petit tui qui est 3-4 Vanilla qu'on peut très bien jouer. Vaiana, à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure depuis un lieu, redresser tous les personnages qui s'y trouvent, ne peuvent pas être envoyés à l'aventure pour le reste de ce tour. Ça peut être intéressant, d'autant plus qu'elle elle leur a deux. J'ai récupéré une Kida qui, je pense, est là, une des cartes qui sera jouée en construit. Voilà, je l'ai récupéré en folle, j'en suis évidemment très très content. J'ai une Kida quand même à 2, donc éventuellement elle peut s'invoquer tour 3 grâce à sa capacité alterne. Mais ce qui est cool avec cette Kida, c'est que flat, elle est bien. Pour 5, on a une 3-5 qui dit: lorsque vous jouez ce personnage, tous les personnages subissent moins 3 de force jusqu'au début de votre prochain tour. C'est évidemment fort, ça permet de temporiser un tour. Et donc, ça permet une partie des cartes que je vais pouvoir jouer. Bien sûr, on a Nani qui est 3-6, rempart qu'on va sûrement jouer. Pareil pour Bourriquet. Voilà, c'est des cartes qui sont pas forcément ouf, clairement. On les jouera pas. Enfin, en construit compétitif, j'entends. Mais en scellé, ça reste des bonnes bestioles. Balthazar Picsou. Il insiste à prendre notre tour et chaque fois que ce personnage envoie un autre via un défi durant ton tour, vous pouvez jouer un objet gratuitement. J'ai pas beaucoup d'objets, il s'ancre pas, il est 3-5 et il aura le K1. Je vais pour l'instant le virer puisqu'il y a quand même pas mal de cartes qu'il faut quand même que je vire. Donc Carnage Insaisissable, on va le garder. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure qui se trouve sur un lieu, vous pouvez choisir un personnage lui infliger un dommage. En vrai, ça reste une. 3-5 pour 5, j'ai viré Picsou, sauf que lui il aura 2 et que lui il peut s'ancrer. Donc voilà pourquoi éventuellement je pourrais le jouer. Ça, si vous aimez bien Grand-mère Tala de la saison 1 du set 1, et bien c'est le même effet. Donc ce qui est cool, c'est que quand le gars va la tuer, ou si vous la suicidez dans quelque chose, et bien vous allez quand même pouvoir avoir un mana plus, donc c'est toujours intéressant. Et on a une 6-5 Vanilla pour 5 qui peut être cool. Ensuite j'ai Kit qui va avoir hors d'atteinte mais qui l'aura à 2, ce qui est pas mal. Alors j'ai le kit de niveau 1, on va dire, enfin le kit à 1. Le problème, c'est que il faut que je les ai dans le bon ordre. Et voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'il est assez, il est hors d'atteinte, donc on peut pas le cibler. Mais en fait, dans ce format-là, encore une fois, on est sur un format scellé. On a 6 boosters pour construire notre deck. Il va vouloir aller à l'aventure à un moment donné, et le gars va me la tuer assez facilement. Donc je sais pas si je vais la jouer. Monsieur Snoop, par exemple, alors que clairement en construit, j'ai l'impression que ça c'est mieux. Lui, il a des stats qui sont beaucoup plus intéressantes, enfin beaucoup plus grosses, flat, et ça peut être cool. Et il a sa copine, Madame Medusa, évidemment, elle vient des animés, qui est bien, qui d'ailleurs pourra, je pense, être joué en construit. Parce que vous voulez ce personnage, choisissez un personnage adverse avec 3 ou moins et bannissez-le, c'est vraiment très très bien pour mon deck de limité. Simba, très fort aussi, je rentre pas trop dans les détails parce qu'il faut quand même que je bourre, mais en gros, ça fait ce qu'on veut faire. Mystique, qui est cool. Alors, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, gagne un nombre d'éclats de l'or égal au coût d'un vos objets en jeu. Elle est cool parce que j'ai la mystique à 2, mais le problème, c'est qu'en fait elle va à l'aventure à 0 et que moi, des objets, comme vous avez pu le voir, j'en ai pas. Donc je vais clairement la virer, malheureusement. On a un Maui qui est une grosse baleine et qui peut me permettre de tuer plein de cartes, même s'il faut payer à chaque fois. Et enfin, j'ai Monsieur Starkey. Voilà, donc j'ai fait un petit peu un tour d'ensemble assez rapide de mes cartes. Je vais compter et je vais essayer d'arriver à 40 rapidement parce qu'après. Ah ouais, c'est vrai. T'es un boss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Donc il faut que je vire 8 cartes, on va essayer d'aller vite. Les cartes qui sont un peu grosses et impactantes, on va les garder parce que vraiment, je pense qu'en scellé, on va vouloir arriver là à 7 mana et essayer de casser des bouches. Cette Vaiana là, elle est bien si... Ouais, mais enfin, je pense que ça, je vais les garder. Les cartes un peu grosses. Ce qui est bien à l'Orcana, c'est qu'on peut mettre en encre les cartes qui sont un peu trop grosses, commencer par jouer ça. Et puis après, en fait, une fois que la partie est lancée, là, on a plutôt envie d'avoir ce genre de haute cœur. Vous voyez, on est sur un jeu, on va essayer d'aller chercher loin. Le Lucky, est-ce que je le joue? Il a cette capacité là qui permet d'aller chercher des points, mais c'est surtout sur sa deuxième capacité qu'on va essayer de le garder. Ainsi, ça, je prends le Mario de Picsou. Est-ce que j'en mets deux? Je ne sais pas. Peter Pan, il faut qu'il aille sur un lieu. C'est pas sûr qu'il ait un lieu. Le problème, c'est que si jamais il n'y a pas de lieu, c'est pas ouf. L'oiseau de feu, je pense que je peux avoir mieux. On va essayer de jouer. Est-ce que je joue des lieux? En vrai, je crois qu'il va falloir que je vire les lieux. Je vais garder le château de la reine, évidemment, parce qu'il fait du card avantage, mais je crois que je vais virer ces lieux là. Je vais virer tout ce qui a trait aux lieux. Parce qu'en fait, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir rester efficace en jouant des bêtes, même un petit peu vanilla, comme on dit. Est-ce que Ursula est cool dans ce jeu? Il faut regarder un petit peu ce que je peux chanter. Je pense que je vais virer, libérer les titans. Le Mickey, légendaire dans une feuille, ça rend bien pour un scellé. Ouais, j'ai eu la chatte. Effectivement. Et pendant que Petit Quick en face était en mode, oh putain, je vois rien. Et ouais, mais c'est la vie. Il
falloir. Je mets les deux légendaires dans mon deck, hein, t'es gentil. Il va falloir être meilleur. Mais je pense que je vais te laisser ce deck-là et que tu vas jouer, en fait. Du coup, pour les points de vie, on peut le faire avec ça. Je t'ai simplifié le truc. Ouais. Un petit peu. Ouais. D'accord. C'est juste. Tu fais contrôle F1 et F2 pour le genre 1. Ouais. Contrôle F3 et F4, c'est pour le genre 2. C'est tout. Ok, c'est pas mal. C'est déjà mieux que. C'est pas mal. T'as besoin que d'une main, en fait. Est-ce que tu veux jouer cette première partie? Comme ça, je peux construire mon deck. Ouais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42, on je vais live, je te retire deux. Deux. Est-ce que tout, tu... est, tout est good. Est-ce que... Tu veux dire coucou, alors, si t'as pas le casque, c'est pas bon. Vas-y, raconte ta vie. Après, il demande si t'es pas mute. Non, non, moi je l'entends. J'ai mis des paillettes et je suis en belle. Voilà. J'ai ouvert un super truc rof. J'ai ouvert genre plein de légendaires et plein de bonnes cartes. Ouais, ouais. Et apparemment, mon deck, il est ouf. Je vais t'éclater. C'est vrai ouais. Bah, j'attends ça. Voilà. Pourquoi tu caches? Ah mince, on voyait un peu. On voit tout. On voit tout. Ok. C'est voilà. Un jeu, c'est l'Orcana, hein, c'est Disney, donc tranquille. Ouais. Et bah écoute, j'attends de voir, ma chère Marie. Je ne doute pas que tu as utilisé mes super conseils pour ce concert. Je suis un peu dégoûté que tu sois parti parce que j'aurais bien aimé tes conseils. J'ai hésité entre toi et Max, puis je me suis dit, bon, bah il y en a un qui me paye quoi. Non, mais. Okay, désolé. Il y a préférence. Désolé. Est-ce grave. Que je laisse la 5 là, 2 pour bon, toi ouais. Je vais. Et bah moi, vu ce qu'il me demande dans des faits, je lui demande pas, je lui donne pas ce qu'il me demande. Je passe pour quoi là? Bah, c'est un dégage à grave. Ils sont habitués. Hop là, ça c'est bon. Il y a des on va le laisser. Ils sont passés tout à l'heure pour nous dire bonjour et qui nous dit oui, on adore les joueurs du dimanche et tout. Ouais. Ils nous ont demandé une dédicace. Et juste avant, ils nous ont vu parler avec Rof et on savait pas qu'ils nous regardaient. Et ils ont fait ah, mais en fait, vous êtes pareil dans la vraie vie et pareil en émission. En fait, c'est. Je fais bah oui. Voilà. Ah, il n'y a pas de filtre. Je vais malheureusement devoir virer Ursula parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de chants intéressants. Mais oui, voilà. J'ai pas de chants intéressants. Je vais dégager Ursula. Vous jouez l'un contre l'autre éventuellement? Et moi, je vais aller construire mon deck. Et... Ouais. Essaye d'être à la hauteur, mon cher Max. Hein. Je vais virer Ursula. Oh, mais j'ai aucun doute sur toi, mon frère. Pour le moment, tu es irréprochable. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais peut-être 7, pas décrit 8, chaque 9, carte, 10, mais. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Tiens, commence à sliver ça. Allez, on va sliver, les amis. Vous êtes prêts? Trop belle sa robe, on nous dit dans le chat. Ils sont gentils, hein. Jouez le plan large pendant qu'on sleeve. Je crois que le qui. C'est plus joli. Je crois que le qui est pas jouable dans ce jeu. Hop là. En plus, tiens, Marie, il est pas en crâne. Tu peux montrer, viens ici, tu peux montrer ta belle robe à la caméra derrière. Je me retourne alors. Bah oui. Guérir les blessures. Voilà. Ah, ça se recycle quand même. Hein. Est-ce que le qui ou ça. Vous avez vu ma femme? Ah, je vais dire oui, le chef. Elle est belle. Hein. Elle est belle. Oui, hein. Chef. Ok, c'est parti. Tu peux sliver ça. Marie, tu vas te mettre en face. Je te passe le micro et comme ça, je peux construire le reste. Et on va lancer le. Ça, je sleeve aussi. Qu'est-ce que je sleeve pas en fait? Pardon, tu sleeves pas tout ça. Tout ça, ça oui? Tout ça, non, effectivement. il m'a semblé. Ça, oui. Ça, oui. Normalement, t'as 40 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vous savez ce que je vais faire? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Passe-moi mes 6 boosters, s'il te plaît. 37, 38. J'en ai 39. Passe-moi 6 boosters, s'il te plaît. Je viens de compter, il y en a 39. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Et bah écoute, on va te remettre le qui alors. On espère que tu auras de la chance. Ok. Pendant que Max live, oui. Ce que je vais faire moi en live, c'est que je vais ouvrir les boosters. Très bien. Voilà. Et, merci mec. Et comme ça, bon, ça anime. Peu. Voilà. Bah du coup, en fait, le temps qu'il se live. Alors, si, ce que tu peux faire d'utile, c'est l'aider à se live. Ouais, tu peux me faire ça. Mais. Face cachée pour pas que tu vois. C'est pour Max Hildan. Bonjour. Je te dis. C'est moi qui ai les sleeves rouges. Tu es très haut dans mon cœur, mais il y a Max devant. Tu sais, il ne tient qu'à toi de passer numéro 1, mais. Allez, c'est parti. Pas. On va ouvrir rapidement du coup. Il rigole, hein, si jamais il y en a. Oui, évidemment, on est sur de l'humour. Yako. Ah, mais. C'est à la bonne franquette, hein, parce que de toute façon, si je commence à contrôler tout, on est mort. Donc tout bim. Alors vous pouvez faire un coucou à Laurent sur le chat. Laurent, le boss de Radiant Burger. Grâce à qui on peut faire ce live et grâce à qui on a un magnifique décor. Franchement, bravo. Hein. Vous êtes tués. J'imagine que c'est un décor que vous allez réutiliser pendant un certain nombre d'années. Bon, en tout cas, vu qu'ils ont mis la max sur le décor, vous pouvez vous douter que le jeu...
va durer un peu de temps. Est-ce que tu peux revenir A priori, ils n'ont pas fait ça pour que ça dure 6 mois. Donc, le décor est exceptionnel, mais est-ce que tu peux ouvrir? Parce qu'imagine, je vous une enchantée et qu'on ne la voit pas en live, ça me dégoûterait. Ah ouais? Vas-y. Attention, attention, alors peut-être. Alors peut-être. Tu veux que je zoome? Ok. Car ça je marche peux pour le les lieux. Et attention. Oh, on voit une petite Mamaoudi. On est plutôt content d'avoir une rare en foil, évidemment. Donc je répète, hein, le format, ouais, le format limité, le format scellé, où on va ouvrir 6 boosters. Ah, je trie, vous voyez. Il n'y a pas 6 livres. Ah, ben non. Je trie évidemment par couleur. On répète que en scellé, uniquement en scellé, normalement c'est 2 couleurs max. On va pouvoir jouer. Oui, un petit shérif de Nottingham, on est content. Et peut-être. Non. On va pouvoir jouer du coup toutes les couleurs que l'on souhaite. Donc voilà, trier uniquement par coup, ça suffit. Et comme je vous ai dit, bon, j'ai pas fait beaucoup de sélection canin. J'ai analysé pas mal l'extension, mais surtout pour du construit. Mais ce que je crois quand même, c'est qu'on a plutôt envie d'avoir des cartes haute curve qui sont cool. Attends, en fin de partie. Besoin de quoi? Oui. T'as pris quoi comme sleeve? Il en manque. Non, non, normalement j'ai pile. Oui, oui, moi j'en ai pour moi. Vous avez fait des decks de 40 cartes, on est d'accord? Normalement, il y avait 3 paquets de 100. Normalement, on peut sliver tout le monde. Ouais, normalement, un paquet peut sliver 2 personnes. Donc, et si besoin. Ah, mais t'as pris le. On remercie d'ailleurs pour les sleeves Game Genic. Oui. Parce que je suis allé en sans Asmodée pour la petite histoire. Je vais voir notre amie Valentine, si je vous étais occupé, bien sûr. Et je fais sauve-moi la vie, il me faut des sleeves. Elle me montre tous les sleeves qu'elle a, c'est un autre jeu de cartes qui sort bientôt. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en mode bah non, ça va pas le faire. Ça va pas être. Je lui dis attends parce qu'il me semble que l'année dernière il y avait un petit stand Game Genic et tout. Elle me dit de quoi? Je fais attends, je vais là-bas, je regarde à gauche, je regarde à droite, je prends 3 paquets de sleeves, je me casse. Et évidemment en passant je fais je t'ai volé 3 sleeves. Elle me fait ok, très bien. Mec, j'ai même Audi, Morph, une des meilleures, enfin une de vraiment, on est chez nous, quoi, comme étant les mauvais graves, les meilleures cartes de l'extension Morph puisqu'elle peut s'alterner avec ce qu'on veut. Et il m'appelle, malheureusement c'est pas l'appel de l'enchanté. Je rappelle que là, on est sur un tournoi, on est à 8 joueurs. D'accord, tu m'as fait un deck de débile. Hein. Ah, il est bien, tu vois, c'est good stuff, hein, donc c'est cool. Il n'y a pas grand chose à savoir, tu n'as pas de lieu. Donc tu vas avoir des cartes qui sont boostées avec les lieux si tu as un lieu. Mais en fait, tu t'en fous. Ce qui est juste bien, c'est que c'est cool. Enfin, c'est que ce sont des bonnes stats, quoi. Voilà, tu as quelques cartes qui font du card advantage. T'hésites pas. Enfin, en vrai, tu sais jouer ouais, alors qu'il y en a. Vas-y, tu gères. Si tu peux gérer des cartes, essaie de gérer des cartes. Mais sinon, bah, t'es content de pouvoir aller chercher du lore, bien sûr. Et on a un Porcinet qui est une très bonne carte. Je ne sais pas si ce sera une. T'as demandé pour le lore éphémère? Ah non. Pour le. Ouais, non, je crois que ça va être un peu compliqué. Et donc, on a justement un des créateurs du jeu qui viendra tout à l'heure. Marie. Qui viendra tout à l'heure. C'est mon dernier booster. Alors peut-être que vous avez une dernière chance de voir une petite dinguerie. On a un petit Mufasa, appelé, mini, et peut-être... Et non, malheureusement. Ah, elle joue. Ah, bien joué. Je vous laisse en de bonne compagnie. Bon, normalement, elle a un très gros jeu. T'as quand même un jeu qui peut faire des trucs. Essaie de gagner le toss, je t'en supplie. C'est ce qui me permettra de gagner plus facilement. Mais en vrai, tu vas pouvoir te défendre, mon cher Max. Je n'en doute pas. Je vais aller construire, moi, avec ces six boosters. Je vais me construire un deck rapidement et jouer contre quelqu'un d'autre. Voilà, allez, des bisous à toutes et à tous. Je vous laisse en une charmante compagnie. Grand jeu. On va pouvoir commencer ce tournoi maintenant que l'autre con est parti. Voilà. Alors, Marie, précision, il faut pas mettre les pieds de la chaise sur les LED. C'est fragile. C'est tout. Ouais, tu peux. Je vais m'asseoir et je vais. Voilà. Ouais, on fait le premier match tous les deux. En fait, il y aura toujours soit Rof, soit moi ici. D'accord. Pour qu'on puisse contrôler le bousin. Mais on va essayer de faire tourner au maximum. Évidemment. Alors, du coup, tu gères les autres matchs. Tu les lances. Ok, on joue en parallèle. Ouais, on va jouer en parallèle. Ouais. On va faire plein de matchs. Hein. Ma chère Marie, pour ce premier match, sache que je serai gentil avec toi. Ah! Je vais essayer d'en finir vite. Oh, je t'entends. Oui, tu m'entends alors que moi je ne t'entends pas. Ah oui, de la danse, ouais, moi je peux pas t'entendre. Mais t'inquiète, je suis un professionnel, on s'arrange. Ok. Vous la voyez bien, c'est la plus belle. Tout le monde est d'accord dans le chat? Oui. Oui. Et ben on est parti. Mélange ton deck et meurs. Ok. C'est ça qui va se passer. T'as pas commencé ta première phrase par je vais être gentil cette fois. Oui, je vais être gentil, je vais en finir vite avec toi. Ah, oui, donc tu veux quand même me défoncer.
C'était la blague. Hop. Ah, tu veux couper peut-être ? Non, vas-y, je te fais confiance. 4, 5, 6, 7. Est-ce que tout le monde connaît les règles de l'Orcana dans le chat ? Si vous ne connaissez pas les règles, évidemment, je peux vous les expliquer rapidement. Vous avez à la base 7 cartes en main. Ces cartes ont un coût. Vous allez les jouer grâce au mana que vous avez là, qui s'appelle en fait de l'encre. Une fois que vous avez joué ces cartes, on va attendre que l'encre sèche, c'est-à-dire un tour. Et après, on va pouvoir attaquer les cartes adverses ou aller partir à l'aventure. Et quand on part à l'aventure, on gagne des points. C'est les points de l'or. C'est les points que vous voyez juste ici à côté de mon nom. Et ça, c'est ce qui va vous permettre eh bien, de gagner la partie. Ça me fait penser qu'actuellement, tu t'appelles Rofelos. Je vais donc remédier à ça. C'est vrai. Et je vais faire en sorte que tu t'appelles Marie. C'est vrai que c'est mieux. Hop là. Donc là, on a le droit de mouligan gratuit. Normalement, on est pas mal. Hop là. Allez, on y va. Je vais peut-être me décaler quand même, moi, pour être en face du truc. Et on est bon. Tout va bien, Marie ? Tu mulliganes ou pas ? Ouais, je vais mulliganer, hein, évidemment. Bah ouais, hein. Donc je regarde ce que je garde. Tu doutais bien que ton deck était nul. Hein. Alors, mon deck est avec le cul encore, est ça, hein. Pas nul du tout. Okay, en effet, je n'ai pas eu l'aide de Rof, mais... D'accord, super. Alors, ce qu'on va faire... J'ai lancé des matchs en parallèle. Ouais. Si jamais vous finissez, vous le dites et comme ça, on met d'autres personnes ici. Enfin, oui, faut toi ça. Bah ouais. Okay. Enfin, je peux rester là et je fais la régie, mais... Ouais, tu le dis éventuellement et tu... Je pense qu'on va être plus long parce qu'on va expliquer des trucs et tout. Ouais, mais dis-moi prévièrement quand t'as fini. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, j'en enlève 4. Ok, j'en enlève 5. Ah, on n'a pas la mulicam ici. Hein. Non, on n'a pas la mulicam. Non, bah non. En portable, c'est compliqué. Ouais. C'est quoi en fait ? Je vais en défausser 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, t'as vraiment rien gardé. Hop là. On rappelle. Un mulligan unique, gratuit et partiel. C'est tout ce qu'on aime. Ouais, c'est parfait. C'est trop bien. Allez, souhaitez-moi bonne chance parce que là, c'est pas ouf. Qui commence ? Est-ce qu'il nous a pris des dés ? Moi, je vais te dire père. Oui, c'est un professionnel, évidemment. Nous sommes ici avec des gens qui savent vivre. Père ou impair ? Père. Tu fais tout comme moi, toi. Hein. Bah, tiens, ça t'apprendra. Allez, la main à moi. Souhaitez-moi bonne chance. Coup, le décor a l'air incroyable. Ouais, regardez. Ça a de la gueule quand même. Hein. Bon, là, il y a un peu des gens devant, mais... Je veux dire, globalement, on est quand même dans un cadre assez cool. Ouais, c'est vraiment chouette. Allez, on est reparti. Ok, c'est moi qui commence. J'ai entendu mon nom, non ? Non. Non, c'est moi qui arrive. Tout va bien. Le mec est parano et tout le monde pense à moi. Maxime, j'en suis certain. Je vais ancrer Monsieur Starkey, puisque comme tu peux le voir, il coûte... 7. Cher. Et... Fin de tour, à toi de jouer. Ok, moi je vais ancrer Rufus. Et je vais jouer pour un terrain qui est le Manoir d'Enfer, la propriété de Cruella. Et j'ai oublié de piocher ma carte au début. Manoir d'Enfer, on va dégager cette merde. À moi de jouer, merci. Oh, oh. Ouais. Ah ouais. Ok, pas cadeau. Mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Donc, on va faire ça. Ça c'est pas là. Ça c'est pas là. D'accord. Je range un peu le bordel. Car il y en a. Et donc on a envie de faire ça. On a envie de faire ça. Potentiellement. Ok. Je vais ancrer Nani, puisqu'elle coûte trop cher. Et pour deux, je vais. Appelé Stitch, petite fusée, il a charge. Ouais. Et donc je vais tout de suite aller attaquer ça. C'est chiant. Ouais. Comme ça, t'as plus qu'un point de vie. Elle va quand même faire son taf puisque c'est à ton tour et que tu vas tout de suite gagner. Prendre un de l'or. Un point de l'or. Attends, je fais des bêtises. Ah non. Ouais, là c'est bon. Tac. Alors j'aurais dû me mettre des commandes, mais il y avait un truc qui buguait. J'ai fait allez, gagnons du temps, on trace. Je pioche, je détape. Et là, je peux même vous montrer que j'ai du coup joué
ce Stitch. Regarde ça, c'est beau ou pas? Oh. Oh. Oh, j'adore son visage. Oh. Ah, c'est stylé. Non, parce que du coup, je me suis dit, elle est où la cam? Tu sais qui filme Ah là là, il est bon, il est bon. Des professionnels, on n'est pas des professionnels. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai. La fin d'une manche se finit comment? Eh bien, le premier qui arrive à 20 points de l'or, donc tu vois les points qui ici. Donc là, moi, j'ai 0, elle a pris 1. Elle a pris 1 parce que son lieu, lui, a donné 1 de l'or, comme indiqué ici. Je vais ancrer Orville. Ok. Voilà. Et... je vais jouer pour 2 Razoul. Tant que ce personnage n'a aucun jeton sur lui, il gagne plus 2 en force. Ok. Et c'est tout pour moi. Très bien. Fin de tour ? Fin de tour. Je redresse. Je pioche. D'accord. Je vais mettre bourriquet ici. Qu'est-ce que j'ai mis moi en encre ? Ouais, c'est bon. Hop. Je mets le bourriquet ici et du coup pour 3. Ok. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc voilà ce qui va se passer pour 3. Je vais poser Peter Pan. C'est l'inverse de Stitch. D'accord, c'est une 1-3 charge. Du coup, je vais attaquer ton manoir qui dégage. C'est pas très sympa. Ouais, je suis pas très gentil. Non. Et lui, du coup, il va aller l'or à 1. Alors attends, qu'est-ce qu'il fait lui quand même? Parce que tant que ce personnage n'a aucun jeton dommage sur lui, il a plus 2 dégâts. Ah, donc là, en fait, c'est une 3-3. Ouais. C'est chiant. C'est très chiant. Je... je vais prendre un point de l'or. Et c'est à toi de jouer. Je détape mon encre. Je pioche. Oh, je suis pas très contente d'avoir pioché cette carte. C'est pas ouf. On se met en place doucement, les amis. Salut à tous, Maxi Dan avec Princesse Belle. Good day à vous. Oui. Bonjour, pourriez-vous expliquer ou réexpliquer la mécanique des lieux, s'il vous plaît? Vas-y, joue, hein, t'inquiète. Les lieux, en fait, quand ils arrivent, c'est un peu comme si c'était des personnages qui étaient tout le temps engagés. En gros, c'est une carte passive. Elle est là, elle ne fait pas grand-chose en général, sauf s'il y a un effet dessus. Et juste au début de ton tour, elle va te faire gagner du lore. Là, tu vois, sur cette carte-là, qui est une carte lieu, il y a un de l'or en bas de la carte. Ça veut dire qu'à chaque début de tour, elle va te faire gagner un de l'or tant qu'elle n'est pas détruite. Donc elle a des points de vie ici. Et en fait, tu peux, avec le coup de déplacement qui est ici, envoyer des personnages dessus. Et parfois, ça va avoir des effets, mais pas tout le temps. Ça dépend du lieu, ça dépend du personnage. Mais en gros, la principale mécanique du lieu, c'est je la pose et ça va me rapporter passivement du lore à chaque tour, à chaque début de tour. Tu joues ? Je joue Jafar. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez les deux premières cartes de votre pioche. Remettez l'une d'elles sur le dessus et l'autre en dessous. Okay. Est-ce que vous entendez les deux joueurs à peu près au même niveau ? Est-ce que tout est good pour vous ? Fais gaffe, Marie, on voit ta main. Je t'avoue que je la regarde pas du tout. Oui, et puis toute façon... Je la regarde pas du tout. Oui, très bien, parfait. Super, super, super. Ok. C'est et merveilleux. Avec. Donc lui, c'est une 3-3. Je vais aller. Ah, le choix est cornélien. Attaquer ton. Oh, c'est difficile. J'attaque ton Stitch. Tu mon Stitch ? Oui. Bien, mon Stitch est mort, mais toi aussi. Non ? Bah, il a 3 points de vie. Mon Stitch, il a 3 d'attaque. Ah oui, pardon, je l'ai lu à l'envers. Ah ouais. Hein. Mais lui, il a 3 de défense. Eh oui. Donc du coup, je le tue pas. Ah si, je le tue. Si. Mais c'est, ah, c'est celle-là que je le tue, pardon, excuse-moi. Tu tues celle-là ? Parce que du coup, là, je prends qu'un. Ok. Donc il meurt pas. Du coup, maintenant ? J'ai pu, c'est une 1-3. Ça me va. Tout à fait. Et fin de tour. Et fin de tour, je redresse. Je vais lire vite fait ton Jafar lorsque vous jouez ce personnage. Donc maintenant, c'est une 2-2. Ouais.
Rien de spécial. Et tu l'as pas engagé. Bah, il vient d'arriver. Ok. On est parti. Pour le moment, tout va bien. Nickel. Je vais le défoncer. Je t'ai donné le meilleur jeu des deux. Hein. Parce que j'ai ouvert à tes potes. Ah ouais ? Non, mais tu pouvais pas le savoir. Ok, c'est... Ok, ça peut être intéressant. Mais je vais pas le faire. Ce qui est cool de dire aussi, c'est que pendant qu'il réfléchit, dans le tournoi, là, on a Ryan Miller qui est un des deux co-auteurs de l'Orcana. Donc on a hâte de. Enfin, moi j'ai potentiellement hâte de l'affronter. Bon, à part qu'il parle anglais et pas moi. Mais c'est trop chouette. Il est trop grand et c'est cool de dire qu'on joue avec le co-auteur de l'Orcana. C'est assez. Waouh! Wow. Bon, il a cru que j'étais déguisée en réponse et pas en belle, mais à part ça. J'encre adepte de Chernabog, j'ai envie de dire Cherbourg à chaque fois. Et pour 4, je vais jouer Vaiana. Oh, voyageuse, Vaiana. Jamais découragée. Insaisissable, 3-4. Bon, elle va attendre un petit tour avant d'être utile. Et pour le moment, avec Stitch, je vais. Partir à l'aventure. Très bien, t'es à 2 là, c'est ça ? À toi de jouer. Je détape, je fais ça. On a fait un paquet scellé pour le format. Bah oui, je savais ce que j'allais piocher, évidemment. C'est pas ouf. Marie, t'as un peu merdé. Je vais ancrer Peter Pan, parce que c'est 6 et que c'est cher. Et okay. Pour 3, je vais poser Ariel, qui est insaisissable. Et chaque fois que je joue une chanson maintenant, je pourrai choisir l'un de mes personnages qui gagnera insaisissable jusqu'au début du tour prochain. Ok. Voilà. Donc elle est insaisissable et ouais. Tu peux faire. Et tu peux. Quand je jouerai quand une chanson. Quand tu joues une chanson, ouais, on n'y est pas. Non, on n'y est attends, pas. Attends, il faut que tu joues une chanson, pas forcément qu'elle la chante. C'est vrai. D'accord. Ok. Lui, du coup, c'est une 1-3. Qu'est-ce que tu fais ? Lui, c'est une 1-3. Et lui, c'est. Alors avec Jafar, je pars à l'aventure, c'est sûr. Bah, je vais partir à l'aventure avec les deux. Tu pars à l'aventure avec tout le monde ? Oui. Ça fait 3. Ça fait 3 ? Tout à fait. Tu as 4 ? J'ai 2. Et c'est parti. Je suis on redresse. Et là, on envoie la sauce, les gars. On va la faire trembler. On va la faire trembler. Je vais ancrer ceci. Ok. Ensuite, pour 4, je vais jouer Lucky. Soit je peux l'incliner, ça me permet de révéler les 3 cartes, les 3 premières cartes de la pioche. Je peux ajouter toutes les cartes personnages qui coûtent 2 ou moins à ma main et je me remets le reste sous la pioche dans l'ordre de mon choix. Sinon, quand j'ai au moins 4 autres personnages en jeu lorsqu'il est envoyé à l'aventure, les autres personnages gagnent plus 1 de l'or pour le reste de ce tour. Donc, j'ai posé ça. Ensuite, il me plaît pas trop. Qu'est-ce qu'on a là ? Jafar, t'es mort. Tu tues mon Jafar ? Bah ouais, et puis je suis insaisissable en plus, donc. Ouais, ouais. T'es pas cool. Je crois, hein. Ouais, ouais. Mais du coup, tu prends pas. Ça veut dire que tu prends pas de dégâts ? Si. Ah oui. Il met 2. Ouais. Voilà, donc j'ai 2. Puis Stitch va tuer Azul. Ah oui, d'accord. Attends. Il a 3 points de vie, il a qu'1 point d'attaque. Bah du coup, on meurt tous les deux. Je vais pas vers ça. Je vais partir à l'aventure. Ok. 7-3. Du coup, ça me fait 3, toi, 4. Et lui, il vient d'arriver. Fin de tour. Ok, je détape un... Ariel arrive. Tiens. Je pioche. Oh, ah. Je ne sais pas s'il joue bien, les amis. Je fais de mon mieux. Alors oui, vous ne pouvez attaquer un personnage que quand il est incliné. Sinon, évidemment, Ariel serait déjà morte. Je vais... Avec tout le respect que je lui dois, bien sûr. Oui, je vais... Il en faut peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Qui dégage. Et pour 5, je vais jouer Prince Jean. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, chaque adversaire ayant plus d'éclat de l'or que vous perd 2. Pour le moment, ce qui n'est pas le cas, puisque j'ai 4 et tu as 3. Cool. J'ai une question, Marie. Ouais.
Est-ce que ta mère, elle a du gel hydroalcoolique dans son sac? Je ne sais pas pourquoi. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Je sens que j'ai la gorge qui... Je suis en mode, j'ai serré trop de mains. Du gel hydroalcoolique? Ouais, tu sais, pour se laver les mains. Ah. Je... C'est possible, hein? Elle est là, regarde. C'est un... Les miasmes sont partout. C'est vrai. Non, non, mais pas maintenant. Ah. Pour après. Je sais pas, je dis... Ok. Après la game. Donc, j'ai... J'essaie de faire attention quand je suis en convention parce que... C'est vrai. C'est un nid à microbes. Donc là, j'ai Stitch. J'ai Vaiana qui est insaisissable, on est d'accord, hein? Je déteste cette chaîne et Maxidan en particulier. J'ai souscrit à ce contenu car j'adore les jeux de société et du coup, j'ai fabriqué ma table de jeu à cause de cette chaîne. Fuyez, pauvre fou, si vous ne voulez pas subir le même sort. Et oui, on est là pour vous faire craquer. Je vais Certains diront pour vous faire raquer. Vas-y, pardon. Non, mais j'hésite encore. Parce que je me Moi, je pense que tu devrais passer ton tour. Ouais, bien sûr, évidemment. je vais du coup pas faire ça. Moi, je pense que tu devrais arrêter de jouer. Je vais partir à l'aventure avec elle est quand même avec les deux. Vas-y, je pars à l'aventure avec les deux. Je prends 2 points de l'or. Je t'avoue que comme je t'entends pas, ma belle Marie. C'est ah oui, bien c'est si vrai tu que parles fort, parce que moi, j'ai pas le retour. Et je crierai pas chez nous. Je prends 2 points de l'or. Merci, c'est super. De rien. Et parce que moi, je m'entends, moi. Ouais, je sais. C'est genre, ça te gêne? Je sais pas. Je sais pas, j'aime bien. Un peu. J'aime bien. Ok, c'est à moi. On redresse, tac, tac, tac. Alors, tu veux la jouer comme ça, Marie? Très bien. Ouais. On va s'occuper de toi. Pour l'Orcana, oui, pas de soucis. Et du coup, ça veut dire qu'on fait ça. Ok, c'est bon. T'as ton play sur autant de tours que ça? Ah, c'est pas mal. Là-bas, on a les 3 autres matchs qui sont en cours du tournoi. C'est pas mal. Ok, pour 2, je vais jouer Kida, qui a rempart, qui va arriver comme ça directement. Ok, c'est une ça 2, veut 3. Dire que je suis obligé de l'attaquer elle avant d'attaquer les autres, c'est ça? Exactement. Ok. Puis pour 2, je vais jouer Della Duck, voilà, donc qui pareil ouais, ne peut pas encore attaquer. J'aurais dû lui baiser ses pertes, qu'est-ce que j'ai branlé. Ok. Puis. Puis ça suffit. Alors là, on peut faire plein de choses. Là, on regarde que je peux gagner 6 de l'or. Hein. Ça m'intéresse. Ah, vos autres personnages. Donc, c'est pas si puissant que ça. Tranquille. Je crois que je vais le faire quand même. Ouais. Tu peux la relire? Quand elle part à l'aventure. Ouais. Si j'ai au moins 4 autres personnages, ouais. Elle peut donner plus 1 de l'or aux autres personnages. Okay. Donc là, si je fais ça, je gagne 1, 2, 3. Okay. C'est ce que tu vas faire? 4, 5. Est-ce que je fais ça? Ça me ferait passer à 8. Ouais. Et derrière, évidemment, tu lui casseras la gueule. J'aime bien les chiots des 101 dalmatiens, donc peut-être ouais. Que je lui casserai pas la gueule. J'ai essayé de faire un deck sans prendre en compte les illustrations et les personnages que j'aimais bien. C'est déjà une belle évolution. Je réfléchis pour le moment. Parce que c'est peut-être plus intéressant pour moi de te tuer des trucs. Ah d'accord. C'est un tournoi tout public? Non, c'est un tournoi influenceur. On est 8. Nous avons Tatiana de Girl.Game. Nous avons Roman de Petit Quick. Nous avons Card Hunter, qui je ne le connais pas. Nous avons Rofelos. Nous avons Ryan Miller, qui est un des deux co-auteurs de l'Orcana. Et nous avons une 8e personne. Alors, on me l'a présenté. Mais j'avoue que je ne sais plus qui c'est. Mais en plus, on a parlé anglais. Et moi, l'anglais, c'est pas ouf. Donc, on vous le présentera quand il viendra à l'écran, je pense. Je passe à 8 de l'or. Fin de tour à toi. Tu passes à 8 de l'or. Très bien. Je vais détaper. Je vais défaire mon mana. C'est pas tant que ça, en vrai. Je vais piocher. En fait, c'est game changer quand tu commences à avoir des grosses cartes et que t'en as vraiment beaucoup, mais je vais en scellé, je ancrer Rufus. Ok. Et là, j'ai 6. T'as combien de cartes en main? 2. Ok. Mais je vais jouer pour 6 Robin des Bois. Hop, hop, hop. 4 de l'heure. Ah oui, ça va remonter c'est, vite. C'est fort. D'accord. C'est fort. Je vais partir à l'aventure. D'accord. Il est envoyé à l'aventure et du coup, toi, tu vas perdre 2 éclats de l'or et moi, je vais en gagner 2. C'est un plus 2 moins 2. Pardon? Je t'ai lu la carte. Hein. Ouais, mais je t'entends pas. Ah chaque oui. fois que ce personnage t'envoie l'aventure, chaque adversaire ayant plus d'éclats de l'or que vous
en perds 2. D'accord, ça se fait pas tout le temps. Donc là, j'en perds 2. Toi, t'en gagnes 2. Donc tu passes à 8, je passe à 6. Oui, et donc du coup, okay, au prochain donc, tour, ce sera plus tac, le cas. Tac, tac, on est bon. Donc ça, c'est bon, il est parti à l'aventure. Et il me reste... du coup, je vais peut-être te tuer des trucs parce que c'est relou. Lui, c'est une 1-3. Donc, tu es à toi, Marie. Ouais, ouais, c'est une 1-3. Lui, là-bas, il a 3. Et il m'attaque à 2, mais du coup, je suicide ma... Je suicide ma... Elle ne sait pas que je possède ceci. Ouais. Je vais suicider Ariel contre... Quoi ? Contre Lucky. Désolé. Je refuse. Du coup, elle meurt, je meurs aussi, c'est ça ? Tout à fait. Mais attends, comment tu la suicides ? Excuse-moi, j'ai 3 points de vie. T'as 2 points d'attaque. Heureusement que je vérifie. C'est vrai, heureusement ouais. que je vérifie. Bah, ouais, parce que ouais. j'essaie de tricher. Elle triche ! Laurent ? Mais j'ai pas fait exprès. T'as invité des tricheuses ? En même temps, c'est belle. En même temps, c'est belle. Bon, t'as raison, elle est morte. Voilà. Allez, on fait comme ça. Non, et puis du coup, même moi, en fait, je meurs pas. Si je fais ça, on. Tu meurs pas, je meurs pas, ouais, c'est ça. Non, mais c'est mon cerveau, je pense à inverser les chiffres. Du coup, c'était nul, comme play. Mais du coup, Ariel va, et là, on va mourir tous les deux, va tuer Vaiana. Non, elle est insaisissable. Bah oui, mais moi aussi. Insaisissable, insaisissable. C'est légal. C'est légal. J'avais pas vu. Donc, pouf. Pouf, ça meurt. Franchement, deux princesses qui s'entretuent. Oh, bah moi, c'est Vaiana bon. Contre Ariel. Y'a pas de problème. Et je vais partir à l'aventure avec Razoul à 1. On est à 9 à 6. Voilà. C'est pas évident, les amis, c'est pas évident, c'est à moi de jouer. Oui. Je vais piocher une carte. Et mon petit Robin des Bois qui vient d'arriver me fait quand même fort plaisir. Et je vais redresser. Ok. Il y a quelqu'un qui a dit Marie triche mieux, nuance. Ah, je n'avais pas le droit de faire ce que j'ai fait. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que les gens étaient là, tu avais rempart. Ah, c'est vrai que j'ai rempart, pardon. C'est vrai que j'avais rempart. Bonjour. Je vous représente Vaiana. Bah, tu peux remettre Ariel. Je mets Ariel et on va dire que je suis partie à l'aventure. Vas-y. Donc t'as 10. Oh, bah, c'est bien, Vaiana est là. Par contre, Vaiana est là, mais elle a des dégâts. Voilà. En fait, je fais ce genre, je suis sûr de moi que du coup, il me. Alors, meuf, il n'y a pas de souci. Tu vois, je l'avais pas vu non plus. Donc, non, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. On fait comme on peut. Ok. Puis il faut se dire aussi qu'on est en train de découvrir les cartes. On vient d'ouvrir. Le chap 3 et du coup c'est que des nouvelles cartes donc bah voilà le temps de se faire un petit peu aux cartes on les a pas d'accord en tête. Je vais ancrer Gripsou ouais je vais jouer pour 6 Madame Médusa qui dit lorsque vous jouez ce personnage choisissez un personnage adverse avec 3 ou moins de puissance et bannissez-le et donc adieu Prince Jean. Non. Tu peux arrêter maintenant si tu veux. Non. Non. Ah non, je te serre la main par contre. Elle quitte la game. Non, c'est faux, je suis juste en colère. Ok, voilà. C'est bon, fin de tour, à moi de jouer. Alors non. Dommage. Et je vais... Alors elle est combattante. Ok, elle est obligée. Ariel est morte. Ouais, elle prend je peux pas l'envoyer à l'aventure, mais je dois défier. Mais attends, non, mais Ariel elle est insaisissable. Tu as raison, je triche. Donc, lui il est mort. Toi t'as pris. Et j'ai pris 1. Voilà, ça me va. Et ensuite, je pars à l'aventure. Waouh. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, elle aussi. Tu l'as pas joué, elle ? Ah ouais, non. Fin de tour à toi. Ah ouais. Alors, attends, j'ai attaqué avec elle. Elle est inclinée aussi. Ah ouais. Voilà, j'en suis là. Ça me plaît pas beaucoup, ça. J'ai plus de cartes en main. Ouais. Tu as toutes les infos. Pioche et je détape. Bah j'ai pas pioché un truc ouf. Hein. Ça c'est le cas de le dire. Bon bah je craque encore. On peut se le procurer où ce magnifique tapis. Un jour peut-être je le mettrai en vente, mais c'est pas encore le cas. Mais je suis d'accord avec vous, je le trouve magnifique. Et j'espère pouvoir le vendre un de ces quatre. Je vous avoue que je n'ai pas du tout envie de vendre quoi que ce soit. Tant que tout le monde n'a pas reçu son pull. Il y a encore des gens qui n'ont pas reçu leur hoodie. Je trouverais ça très incorrect de ma part de vous vendre des produits alors que je n'ai pas encore réussi à livrer les premiers. Voilà. Si je fais rien, on est d'accord qu'au prochain tour, tu gagnes. Oui. Tu as dit quoi ? Excuse-moi. Si je fais rien au prochain tour, tu gagnes parce que tu es passé à 7. Donc, je vais être obligée d'y aller, quoi. Ouais.
Là, faut que tu me tues des t'as trucs. T'as plus là. De rempart ? Si, t'as toujours rempart. J'ai rempart. C'est relou. Ça, c'est relou. Ok. J'ai rempart combattant, charge insaisissable. On n'est pas trop mal. Oui, tu es casse-pied. Je vais poser les balais magiques. Il a charge. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez remélanger toutes les cartes balais de votre défausse dans votre pioche, mais j'ai pas d'autres cartes balais. Une 4-4 qui leur a 2. Bon, après, elle coûte 5, elle n'est pas ancrable. Ok, elle a charge. Oui, mais okay. Du coup. Et donc, t'avais pas de balais dans ta défausse ? Non, donc ça, on s'en fout, mais par donc, contre, elle a charge. Tu peux me casser la gueule. Donc, je vais péter ton rempart. D'accord. Je vais prendre 2 dégâts. Tu prends 2. Et du coup, avec Ariel, là, je vais faire Ariel contre Vaiana. Ok. Ciao, ciao. Ça, ça marche. Voilà. Et avec Robin des Bois, je pars à l'aventure pour tu 4. Tu gagnes 4 ? 1, 2, 3, 4. Et j'ai pas fini parce que. T'as 14, j'ai 13. Pour. Et pour 1, je vais poser le pays oh, le lieu imaginaire. Le pays imaginaire qui juste valorait un 1 au début de chacun de ses tours. Voilà. Très bien, c'est à moi. Oui, et si je veux, je peux mettre un petit personnage dessus. Pour le moment, j'ai pas envie. Mais... C'est mon tour. Oui, tout à fait. Fin de tour. Je t'entends pas. Hein. Oui, pardon, fin de tour. Parce que peut-être, enlève une oreille. Comme j'enlève ça, tu vas te oreille. Rendre compte. Ah ouais, mais là, du coup, je t'entends deux fois. Non, normalement, tu m'entends sans délai. Donc, ça te gêne pas. Ah ouais, ok. C'est un peu bizarre. Mais Ah bah, c'est bienvenu, hein, c'est un métier. C'est vrai. Ouais, mais... Hop. Et on top deck, c'est parti. On va le jouer. Hein. Mais moi non plus, j'ai plus de cartes en main. Bah ouais, mais nous, on vous l'a dit, on a des propositions. En scellé, on propose dans la version LJD. Nous, on dit, piocher 2 cartes par tour. Ça permet d'avoir des trucs un peu plus explosifs. Ouais. Et on aime bien aussi la notion d'encre éphémère. Qui permet d'équilibrer le premier joueur, le deuxième joueur. Peut-être pas en scellé. C'est peut-être un peu trop fort d'avoir les deux. Mais bref. On est parti. J'ai 13. On n'a pas l'étal du tout, d'accord ? Parce que lui, il ne peut pas encore partir à l'aventure. Machin, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 18. C'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal quand même. Qu'est-ce que je peux te tuer ? Faut que tu tues ça, hein ? Faut que tu tues cette merde. Ouais, et toi, t'as gagné au prochain tour. Donc on va gérer ça, les amis. On n'a pas le choix. Je vais pas forcément gagner au prochain tour. Je peux tenter un truc, les gars. Part à l'aventure, c'est bien. Mais je pense que c'est une bonne tentative. Tu seras à 18. Comme ça, je gagne. Et si après, il y a des égalités, ça se fait au collavera. Je vais tenter un truc. Je vais tuer tes balais magiques. Ouais. Donc on meurt tous les deux. Ok. Ouais, je prends un risque débile. Je te dis le play pour que les gens comprennent. Non, mais c'est pas grave. J'ai compris. Okay. Tu vas partir j'avais à l'aventure. Ça. Et en gros, c'était soit je pars à l'aventure avec tout. Alors, ça, je peux pas, je viens de la poser. Mais soit je pars à l'aventure avec tout ça. Je gagne 1, 2, 3, 4, 5, je suis à 18. Et je lui tue la carte qui faisait qu'elle avait le létal. Donc là, elle a plus de létal. Soit je tue la carte qui a le létal. Je ne pars pas à l'aventure. Et au tour prochain, j'ai gagné. Il faudra juste que là, j'ai un personnage que je puisse jouer avec le mana que j'ai là. Je peux pas t'aider, mais je peux pas t'aider. Voilà, donc tu peux pas m'aider. Du coup, tu pars pas à l'aventure pour pas que je puisse te tuer de trucs. Bah, en fait, là, tu peux en tuer aucune, techniquement, à moins que t'aies une carte de ouf qui me tue tout. D'accord ? Et du coup, techniquement, au prochain tour, il suffit que je pose un personnage et t'as perdu. Et donc, je vais jouer le létal parce que toi, tu l'as pas. Normalement, tu vas arriver à 19. J'y vais. Et si je perds, tant pis, c'est pas grave. Bah, c'est chiant. Donc, fin de tour. D'accord. Je détape. Ça va se jouer à si j'ai un personnage là ou si t'as une carte qui me tue. Tu prends un point de l'or. Ouais, tu prends un point de l'or. C'est couillu, hein. Bah, en fait, je me dis, si je vais avec tout, elle va m'en tuer et je vais peut-être galérer à avoir mes deux derniers points alors qu'elle, elle est pas loin. Donc. Je commente juste après.
pas ça, mais en fait, ce qui est bien, c'est que vous avez bientôt fini. On a bientôt fini. Juste la carte et go. Excuse-moi, je joue un 1. Ça et fait quoi? Choisissez l'un de vos personnages, gagne plus 2 pour le reste de ce tour. Je m'en fous parce que je veux pas attaquer. Puis, vous pouvez le déplacer gratuitement sur un lieu. Ça ne sert pas à grand-chose, mais... Je peux partir à l'aventure quand mes personnages sont sur un lieu. Et donc, si tu n'as rien pour tuer mes persos, j'ai gagné, Marie. Oui, mais je prends quand même 4 de l'or. 4 attends, elle va passer à 19. Ouais. Et là... Mais ah, pardon. Oula. Tac, donc t'es à 19. Et à toi, vas-y. Et donc à moi. Ah oui, non, faut que j'ai un personnage. Non, c'est pas grave. Ok. Oh. Ok, pour 2, je vais piocher 2 cartes et je vais en défausser une. Donc la proba qu'il est quand même sur 2 cartes, un personnage à 4, elle est haute. Elle est haute. C'est bon. Oh. Donc je vais défausser celle-là. Et pour 1, je pose lui. Et donc je pars à l'aventure avec et tout. Meurs, Marie, et je gagne. Allez, serre la main. 19-1 quand même, c'était vache. Regarde. Pas partie de la LJD Academy. C'est fini. Alors, excuse-moi, le tournoi n'est pas fini. 19-20, c'est pas mal. Je vais te battre. Casser son Robin des Bois avec son flot de Sam, c'était quand même plus safe. Mais je viens de la poser, j'avais pas le droit. Je viens de la poser. Bah non, sinon je. Si on. 5-2, je vois une 4-5. Mais non, sinon je gagnais tout de suite. Je devais attendre un tour. Oh. Je l'ai utilisé 3 fois, elle. Elle a fait son taf. Si tu pouvais le jouer tout de suite, t'es sûr que tu gagnais parce que elle, du coup, elle avait pas son bonus. Hein. C'est au moins 4 autres cartes. Mais oui, mais j'ai posé lui. Oui, mais à ce tour-là. Donc tu sais, quand t'as dit tout à l'heure, si elle avait le. Oui, mais il en avait mais d'autres. Mais j'avais lui. Non, t'inquiète, j'ai été légal. J'ai été légal tout le long. De toute façon, dans le chat, il vérifie. Hein. Bravo, Maxildan. Et Marie, tu vas pouvoir. En vrai, c'était intéressant. Vous avez fait de bonnes parties. Oui. Mais elle pleure pas, laisse-la tranquille. Mais oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a 19 à 20. Franchement, je fais une belle défaite. 19-20, c'est pas dégueulasse. Hein. Grosse prise de risque quand même. Écoute, Rof, t'aurais pris ce risque ou pas? En sachant que globalement, j'ai pas fait d'erreur de play et que je ne pouvais pas tuer ces créatures. Est-ce que même en prenant ce risque. Si tu prends. Attends. J'ai l'impression que si tu. Je ne sais pas, j'en ai arrivé comme ça. Mais si j'ai l'impression que si tu prenais pas le risque, t'avais quand même gagné au prochain tour, non? Donc autant y aller. Mais elle derrière, elle m'aurait sûrement tout tué. Ouais, elle a plus de carte en main. Elle a qu'un truc où bon bah c'est bien, mais en fait elle est un peu légère. Il fallait, je pense que le plus safe c'était aller à l'aventure tranquillement. Si elle est. Voilà, elle est pour le panache. Ah là là, excusez-nous. Ryan Miller, co-auteur de l'Orcana, vient de perdre son premier match. Marie, j'ai perdu aussi. T'as perdu, Rof? Le game designer est prenable, Rof est prenable, tout le monde est prenable. Donc même pas contre toi? Donc il peut encore perdre contre toi aussi? Ah, c'est merveilleux, Rof, c'est toi qui joues? T'as gagné Contre Tatiana? Non, contre Petit Quick? Ah ouais, non, qu'on font pas les deux brunes, sinon c'est terrible. Allez, nous on se casse. On vous laisse avec Tatiana et Rof, je vais faire un petit peu de régie pour préparer le truc et après je te laisse faire ça. Ok, juste entre Tatiana et Petit Quick, ça a donné quoi leur match? T'as gagné ou t'as perdu? J'ai gagné. T'as gagné. Donc on a Petit Quick, c'est quoi le nom de la personne qui a battu Ryan Miller? Qui a battu Ryan Miller? Voilà, okay. Alors on a un monsieur qui travaille chez Disney. Qu'il nous manquait quelqu'un? Non, je sais pas, je pense que ça doit être la bonne personne, mais on n'a pas son prénom et on sait. Ah. Tu sais, c'est la personne qui parle anglais qui travaille chez Disney. Ok. En face, il y a Ryan Miller qui est le co-auteur qui est un du game jeu. Designer, ouais. Jordan. Jordan sur le badge. Jordan. Yes. On en est où? Et donc, du coup, ils ont gagné. Parce que là, on est 3, 4, 5. Là, c'est 6, bon, tous 7, les games sont finis. Qui est le 8ème? Ah, c'est le mec de chez Disney. C'est Jordan. Okay. Jordan. On salue Jordan. Donc, on vous voilà. Met le plan large quand même. Donc on a Jordan, T-Quick. Tu as fait tomber une carte par terre. Ok, je vais vérifier. Jordan, T-Quick, Cardhunter et Maxildan qui sont les 4 vainqueurs de cette manche 1. Ok. Non mais en plus elle veut choisir ses adversaires. Et on est là pour s'amuser les amis. Hein. C'est vrai. Alors, Rof, tu vas prendre le micro et tu vas expliquer qui joue contre qui. Voilà. Moi j'ai expliqué. Casse-toi Marie. Très bien, je me casse. Des bisous. On va faire beaucoup plus simple. Ah bah il s'est barré. Ah il explique un petit peu. Il s'est barré. Au joueur suivant.
Bon, est-ce que vous passez un bon moment, les amis, sur le chat? Est-ce que le décor est aussi beau qu'il y paraît? Normalement, oui. Et est-ce que ça vous donne envie de jouer à l'Orcana? C'est ça? Est-ce que ça vous donne envie de jouer à l'Orcana? Franchement, on s'amuse bien sur ce chapitre 3. Ouais, carrément. Il y a quand même des cartes intéressantes. Mais là, on a très envie de les utiliser et de les comboter avec d'autres cartes du chap 1 ouais. et 2. D'ailleurs, j'ai envie de vous rappeler que sur la chaîne d'Europe, juste, vous avez l'analyse de ouais, toutes les cartes. C'est vrai, juste joue vite contre Tatiana, s'il te plaît. On essaie de faire 4 games. Oui, d'accord. Allez, d'accord. Je me casse. Attends, je vais tomber là parce que ma robe, elle est coincée. Tu as été exceptionnel, Marie. Rof, tu prends le micro, je veux bien que tu te... Ah, super. Et, super. Donc, je fais un peu de régie pour vous mettre en place. Je pense que c'est mieux. J'ai une casque qui ne marche pas. C'est rien, il enlève une oreille. Et tu fais ça, et donc je t'ai dit, les PV, c'est CTRL F2, CTRL F4. CTRL F2, CTRL F4. Pour faire des plus, et CTRL F1, CTRL F3 pour faire des moins. Et tu fais ta life. Ouais. On est parti. Okay, sounds good. Okay, so now, you're gonna have to translate some of the cards because yeah. I don't know okay. what all the cards do, and it's because it's been so long. We designed yeah. this set so long ago that they're in French, and so I got yeah. you'll have to remind me like what cards do. Yeah. Okay. So sorry for my English. It's not. Oh, that's okay. I'm really not fluent, but I understand you. Okay. We will game each other, but I will. Question you okay. about the game. Okay, that because sounds good. Because can you explain who you are for Locana? And is this live or are we just recording? Yes, no, it's live. Oh, live. Cool. All right. So everything. Are we on right now? Yes. Live and recording. Yeah. Everything you say is recorded. So okay, so take care. Okay. So who are you? My name is Ryan Miller. Yeah. I am the co-designer and brand manager for Disney Locana. Okay. So. No, that's it. You did it. You did it. Look at that. Well done. Okay. So you work on this game since when? 2020. Okay. So I was a freelance designer at the time. Yeah. And I was working with Ravensburger on a game based on this movie called Princess Bride, which is just a really okay. popular 80s movie in America. Okay. And so I did a board game based on that with Ravensburger. Yeah. And my friend Steve Warner was already working there as like a game design manager. And so he was my game design manager on that game. And so we worked on that for many months. And then once that game was kind of winding down, he told me about this game. Okay. Because they hadn't designed anything yet. Okay. They had just kind of done some preliminary work on the world. Excuse me. And the, the kind of working with Disney and getting the foundation for the product kind of set up. And then... Steve told me about this game, and at the time it was called Project Famous, because the idea for it actually came to some Ravensburger folks when we were meeting in California with Disney. And one night after the meetings, the Ravensburger people went to this bar called the Famous Bar. Okay. And that's when they had the idea first of like, should we, we could do a Disney trading card game. Yeah. And so they codenamed it Project Famous because yeah. of the Famous Bar. Oh, and nice. And then, a year or so later is when we came up with the name Locana. But when Steve brought me on, that's when the game design really started. He and I, it was during the pandemic, so we had to do it virtually. And every day, it was just him and I just meeting every day and coming up with different game ideas. And, I mean, we started by just thinking about who we wanted the game yeah. to be for, right? Yeah, that's where you always have to start, with any game design. And we figured, we wanted a game that, for Disney fans, but also for trading card gamers, yeah, right? Nice. And we wanted lots of strategy and fun stuff for the trading card gamers, but we wanted lots of fun Disney stuff and also just a game that is welcoming, yeah. right? And that's kind of where we started. We had some other ideas too, but that's kind of where we started. And then it was a process of let's design a game and play it. Like we used virtual tabletops, and we would just make a few cards for it and just start playing, and then that game would be terrible, so we'd put that to the side.
Okay. And it was a lot of, and then it started to get into this rhythm of getting really excited about a game and playing it and going, oh, this might be it, this might be it. Yeah. And then something happens. Okay. It's like the first crack of an eggshell, and it makes the rest of the eggshell crack, and you're like, no, and you just throw that one away. And we did that for about 6 months. We worked on the design. Okay. And Ravensburger is pretty awesome. They were like, take as much time as you need. Yeah. Like, this is obviously a really important part of the experience, right? So they did not put a time pressure on us. We didn't have a launch date in mind at that point. But about 5 months in, we started to really start to crystallize, like, okay, this is what the game experience is going to be. And right at the six-month mark, we were ready to say, okay, this is, we're ready to move on now to card design, right? Okay. Because obviously you can't start card design if the game design isn't solid yet, of course, right? Of course. So that was the journey there. And then from there, it's just a matter of before card design, you have to kind of map out what can cards do in this game. Like, you know, what are all the things cards can do? And you kind of write it all down. And then we pick the six colors and we start putting those abilities in the different, you know, so each color has its own personality, right? Its own mechanical personality, but also its own thematic personality. Like, you know, Emerald is very agile and very, you know, it can, it's lots of options. And Ruby is very brave and daring and kind of rushes in without thinking about things. But Sapphire, that's all they do is think about things, right? It's, you know, so things like that really help guide us. And then we start card design. And card design was a mixture of picking the characters and then designing cards to those characters, right? And making sure that as much as possible, the theme, the mechanical theme of a character fits the character's feel, right? We wanted the characters to feel like they do in the shows. That was very important. Yeah. And so you design the game and also a lot of cards. If I pick a card at random, maybe Jafar. What'd you get, Jafar? Oh, nice. it's not worse in sealed deck, but in constructed, it's very, very good. Yeah. So this card is very, very, very tough. Very, very. It's a good card in constructed. But you could have make this card, or it's a team which make the card. Yeah, it's you and others. It's well, now it's Steve Warner. So my co-designer Steve Warner, he and I designed the game together. Now he runs the game design team now, and so he's got a crew, an in-house crew that they design the cards, and then most of the work they do is playtesting the cards, right? Okay. And then we also have some external groups that playtest for us and give us feedback. So if you don't like a card, blame Steve. Okay, right? It's not you. Okay. I did the first two sets. Yeah. Steve and I designed those two sets, right? Okay, okay. And basically we just split half down the middle. You got three colors, I get three colors, and we design, right? And then we did the same thing for set two. By the time set three was in design, I had already moved up to brand manager. And so the brand manager's job is more like the director of a film. Like I don't do the acting and I don't do the sets or anything like that, but I work with all those teams to make sure we're telling the same story, right? So that's kind of, so I'm not bragging. I'm not saying I'm the director of the film. That's not my point. Okay. My point is that my job is to work with all the teams to keep us all telling the same story, right? So that meant, though, unfortunately, is that I had to step away from the game design side of it, and I miss it. I do occasionally get to work with them and do like game, you know, card design and things like that, but not nearly as much as I used to. So, but when it comes to cards like Jafar, like, this is a very powerful card, right? Yeah. And I know a lot of folks, especially with Whole New World, are very kind of, you know, of course. But I always like to let people know, like, you know, balance is not a switch. It's not like it's not balanced; it is balanced, right? Okay. Balance is more like a spectrum, right? There's we hope that most cards kind of go into the middle of that spectrum. Okay. But you're going to have cards on either side, kind of on the lower end, on the higher end. And that's really important. I think the first thing is true balance is actually impossible to attain. You cannot, it's impossible, right? Of course. But also, if you were able to do that, I believe that it would make for a pretty boring game. Because if all the cards are equally powerful, like, what cards do you even put in your deck? Like, when you're choosing cards, it's actually very tough, right? Je me permets, Rof, essayer de jouer. Ouais. Parce que sinon, on est mort. Ouais, d'accord, mais là, c'est... Les deux très bavards. Apparemment, il est très bavard. C'est super intéressant, c'est super intéressant. Ouais, je sais, mais... Okay, so... you could have some cards... could put some balance in cards, but you prefer to have maybe
bad cards or and very very good cards. Yeah, because it's more exciting to have a very good card and you can build. Right, but a very good card can only exist in a world where there's all sorts of different power levels, right? And so that's really important. But it's also important for the players because it helps them become more skilled. Like, one of the biggest skills of a trading card game is to evaluate a card, to look at a card and go, how good is this card? And that skill is much harder to attain if every card is on the same level, right? But because we have the spectrum of power or balance, right, part of our goal part of a player's goal is to learn and really calibrate their ability to examine these cards and go, oh, wait, I think that. And it's also really fun to, like, pick out, like, oh, I don't think anyone's seen this yet, but this card, very powerful, I'm going to show you, right? That's so exciting, right? It's so fun. And so we are always going to have cards that are on this side of the power scale and that side of the power scale. Most will, I think, fall in towards the middle, of course, because balance is important, right? But we want to have that spectrum so that the game is exciting, the sets are fun to open and explore, right? And that decks change over time, right? We want to make sure that every set brings something new so that people will change their existing decks or their brand new decks to find. Okay. Now, we have, like, the location deck, right? Which, yeah, of course. You know, it obviously could not have existed before set 3. And so there's a new deck you can build, right? Or you can add them to your existing decks and kind of, you know, so that's important, I think. Okay, so we will play because... But I'm going to warn your viewers, I don't speak or read any French. No, it's and also, you might assume that since I designed this game or co-designed it, that I know what every card does, and that's not true at all. So I'm going to ask you a lot of times, like, what does that card do? What does that card do? No problem. And it's only because I can't read French. No problem. Okay, so let's play. Oh, that's right here. I was looking at that. No. It's here. Hello, everybody. Here, all right, there we go. We are in cool. a card. I love in that. That's so cool. Yes. We will toss for. Let me show you the way we do it. One player rolls. Okay. And you insult the other player by saying you're odd. Okay. And then I roll and look. Even, I go first. Okay, nice. So you get one roll. You don't have to, like... I like that. It's also get to insult your opponent. They're like, hey, you're odd. Okay. Because in English, being odd is like kind of yes. You're weird, right? No problem. It's pair ou impair in French. Pair, impair, French. Oh, I see. Okay. I think if you start a game, you have an advantage. I think in our studies it's like 53%, so it's like a 3% advantage. I've heard other people say there's a higher number. That's not shown out in our play testing. But yeah, I've heard that can be an advantage. Yeah, and it's one of those things that's like it's back to that balance kind of discussion. Okay. It's really hard to get that calibrated to an exact, you know, 50-50 is kind of the what you hope for. I used to try a thing, and the player which go second, we take a card here, and it's an instant ink, you know. Oh yeah, Hearthstone or somebody yeah, does yeah, this. Yeah, yeah, yeah. Somebody does that. Hearthstone yeah, yeah. with a coin. Yeah. All right, and I try this, and I thought it was a. A good start to balance that. Yeah. Maybe you have a think about this. So we actually thought about a lot of different things. One of the key limiting factors is complexity. So we want to make sure that we don't make the game too complex. Okay, no problem. Because what we're really hoping is to make new trading card gamers, right? Of course. Want people who've never tried this type of game before to come in and go, whoa, this is amazing. It was right? the number one goal. To take non-TCG players to... I don't know if it's our number one goal, but it was like when I told you when we designed the game, it was like trading card gamers and Disney fans were our two, you know, that we really wanted to make. And we know that, like, each of those groups needs something different, right? No problem. But in order to make sure that we pull the Disney fans in, there are certain concessions we have to make, and a lot of that's on complexity of the game rules itself. The cards can add that complexity, but that's at least it's on the cards. It's not as... Of course. You know, so it making rules like that, as you know, for the competitive player, comes at a cost. I think. Yeah. Or can come at a cost of complexity. And to a competitive player, that might not sound complex at all. Okay. But you have to understand, we're talking about people who have never even played this type of game before, and you would be surprised how much
you know, how little complexity can really be a speed bump, right? And we want to make sure that we're very welcoming, right? So it's a good answer. Good answer. Yes. Okay. So I mulligan for five. I did that too, I think. You can begin this game. Yes, I will start because I okay, so I'm going to start by inking Pluto. Yeah. Oh, it's a good card. I know, but okay. Like seven no cost. Yeah, of course. And that's it. Go ahead. Okay. So I draw and... okay, it's Belle Marianne. Okay. And Robin Hood. Oh, nice. It's one of my favorite movies. Yes, yes. I like really that fun. Really. I love and how they put almost country music in it. Yes. Right? It's like so fun. It's very cool. And the character of Robin is very optimistic. Yeah. And it's very nice. And the Robin Hood in the set 3 is very good. The Alter 3 is very, very good. Oh, yeah, yeah. Let's go. All right, well. Yeah, Aurelian Gyro Sensor. Oh, okay. Sorry. Yeah, I can do that. Yes. All right, I'm a left-handy, so I'm used for pulling, but that's fine. Not a problem. It's for the show, but... not a problem. Let's see. I'm going to... I'll play Razul. Okay. While he has no damage, he is plus 2 strength, so... I know all the cards. You know... Because I did some videos... And for YouTube. Oh, cool! And every card of the set, I analyze the card. Oh, that's amazing! So Robin Hood is good, but this one is good too. Right, right. Oh, that's so cool! I love that. Yeah, that's like basically what we do before we launch the game. We go card by card and do it all. Exactly. That's so cool. Okay, and my turn. Yep, go ahead. Okay, so. Okay, this one in ink. And a really good card, I guess, too. Monsieur Mouche. Oh, very nice. 3-3, two ink, two lore is very cool. And if it's... exerted? Exerted, yes. At the end of my turn, and if I don't control Captain Hook, then he inflicts... one damage. Oh, okay. Okay. Yep. On himself. Sounds so good. I will. Okay, like let's go. You good? Yeah. You want to risk him? All right, that's fair. Kida. Yeah. This was really fun that we got to do the Atlantean. What is that's from Atlantis? This is the language that they actually made up for that movie. It was done by a linguist. I forget his name now. I really should know it. So the Disney fans are going to be mad at me. Yeah. It's But he was able to make, he made this language using the script, and when we were coming up with the flavor text for the set, one of our art director folks, Alice, had this idea, like, can we do the flavor text in, and I was like, I love that. We totally do that. Nice. Like, it's very cool. Okay, let's see here. Well, that's interesting. All right. Shoot. All right, I'm going to bring out Jim Hawkins. Yep. And yeah, I will quest for one. Okay. Go ahead. Okay, so I will take Laren here. And then I play Kit. Oh, nice. When I... I'm sorry. I'm roll back. Judge. Okay. it's called a rough back in this chain. Not a problem. Okay. So because you offer me this, and I will attack with Monsieur Mouche. You will challenge. Yes, challenge, not attack. Mm-hmm. And it's not a graveyard. It's a banish. Discard. Banish the discard. Yeah, discard. Yeah, we banish. He's not destroyed or killed. Yeah. No. We don't kill. This is Disney. It's Disney. We banish. Of course. Okay, so I have one damage. Oh, no. Oh, sorry. When he has no damage, he's plus 2. Okay, so yeah. You impressed me. Yes. So, Robin Hood. Okay.
Yeah, yeah. Robin Hood for one. Okay. And then I will put that in ink and the queen. It's nice. Vanilla right. card, so yep. it's easy to translate. Go. Okay. Je fais n'importe quoi. I will find my way. Will find its way into yeah. my inkwell. I will quest for one. Yep. Joshua Sweet, bodyguard. Mm. Nice. Go ahead. Okay, so I will ink this card. Okay. Then, so you have 1/5 bodyguard. Okay. I guess I attack okay. you for one. Yep. And. Okay, so that'll be enough? Yes, yes. Okay. Okay, so he didn't last long. No. Indeed. Patch. Yay! I can exert here. Exert yeah. it for. Minus two minus strength. Two, yep. Yes, yeah. Go. Sweet. Yeah, the Dalmatians were fun. That was a fun one. Let's see. Well, I am going to ink Rafiki. Yeah. Tiana's Palace. Okay. Move Jim Hawkins. And quest for one. So I can't challenge you, right? Go ahead. Can't okay. be challenged, yeah. Yep. He's having dinner at Tiana's Palace. I mean, come on. Yeah, you yeah, wanna yeah. No, no problem. Somebody's having a meal. You don't want to challenge him. It's rude. Yeah, but I think it's time to ruin the Tiana. If I can't attack yeah, Jim. That's true. So it's this card, charge. Oh no! Yeah, yeah. All right, so I was gonna put four on. So four here. Yeah. Four here. Yep. Okay. And oh no! Oh, you know what? This card's banned. Actually, did you hear about that? It's banned. You have all the power, all the right. Okay, this one, ça c'est good. Et ensuite ici. One law. Yeah, don't do too well against me because I'll just ban your cards. So. Yeah, sorry. Yeah, it's okay. Sorry, master. It's okay. Let's go. My ego is very fragile, yeah, right? I know so that. I need to, yeah. Well, that's quite a pickle. I'll put these two down. Yep. And let's that's go. All I got. Okay. I like never said I was good at this game. So, being that. Never said that. Mama Udi. Oh, nice. Yes, you know the. Oh, yeah. Okay. She can move up to two damage yeah, when yeah. she quests. Yeah, I know okay, that one. And quest. Yeah, four. Nice. Let's go. Okay, well, that's not too bad. Donc, ok, ouais, j'ai pas du coup le temps de gérer le score ou quoi. Là, pour l'instant, il y a 6 pour moi. Je vais laisser le time, hein, le téléphone. Je sais que Max va m'en vouloir. Mais j'essaie de rester concentré. Désolé pour mon anglais qui est vraiment pas ouf. A lot of willpower over there. Et là, il comprend ce que je dis, mais je suis en train de le dérouler. Donc, je pense que ça va bien se passer. Ça lui apprendra à pas faire d'encre éphémère. Voilà. Quest for 4. Ok. Nice. And bodyguard. Oh, Nani. Nice. Nani. Go ahead. From Stitch. Okay. Also one of my favorite films. Yes. Lilo and Stitch is amazing. It's I mean, Stitch is so fun as a character. Yeah, yeah, just like. So 3-6. Interesting. 3-1-2. When this character is sent to adventure, so she can move the damage over if you wanted to. Yeah, I mean, she can move it anywhere. She could take out Simba, I guess. It's 2 damage for one personage. Okay, so I think the play is I will
minus the force of Nani. Wait, what is it? Minus two. Dang it, he saw me. Okay, we have a cheater here. Judge? No, just, I'm just not very good at it. So, yes. Okay, so three minus damage. Minus two. No, it's not minus damage. Strength. Minus two strength. Okay, then I will attack with that for here. So I take one damage. That'll be four on her. All right, there we go. Challenge. Then I will... I will... Ça là-dessus. Là, je défonce. Hein. Okay. Four here, and I take one because it's minus. My bodyguards don't last then very long. I will sell this to Adventure. Minus two. Yes. Okay. And... It's a tough choice, but I think it's Milo. Okay, all right. Let's go. Milo. Oh, no. Go. I'm sorry. And I take, I put a Della Duck. I don't like my odds. And in then. This one. Go. I'm pretty tickled that I'm going to get, or I could get more lore out of Simba there. But Simba is very brave, you know. Even indeed, if he's alone. Okay, but okay. Raleigh out. What is dog. Brave too? Yeah, hungry pup. Yeah. So I prefer my board too. What do I say when I want to take something back? I want to take that back. Je gagne dans deux tours. Ah, t'as fait l'heure sur téléphone finalement. Ouais, je suis déjà en full focus, mec. I'm gonna take back Raleigh. Okay. I want to play this instead. Oh, nice. So plus two there. Oh, yeah, so you were back, right? Back. Yes, I did. Yes, well, yes. You did it. I did it. It's a rough back here. Okay, thanks. So I'll do three damage to this one. Yeah. Okay. And that's all I got though. Yeah, so still not looking good. But I was like, I had to get my turn. Yeah, your turn. Go ahead. Okay. It's still not looking good. Let's go. Oh, no. Pouah. Woohoo! So it's fighting combattant, je sais pas comment on dit. 1, 2, 3, 4. Oof. And go. Okay. Well, that's not going to help. All right, now Raleigh comes out. This card is useless. What is this card? It's distract. But no, you it's good you for ink, and you draw a card. You can repress it. Yeah. Right. I might as well, yeah. Who do I want to get minus two? Before play this, maybe. Mm. But I guess I won. Yeah, I can't. You know, at this game, you can concede any time. All right. You know what? Just for that, I'm going to give you minus two okay, strength. Okay. So draw I a card. Okay. Yeah, I suppose. Maintenant, c'est fighter, merci. I'll play Hydros. Okay. Ice Titan. So, yeah, it's better. Not too bad. Not too bad. Go ahead. My turn. I still won't win. I can see why you're like, do whatever you want. I'm going to win anyway. Okay, so I can cheat this, and then I can play Jafar. What does Jafar do again? Jafar. What? Okay. But, okay. On va jouer normalement. Voilà, on va dire 2, 4, 3, 4, 5, 6. Go. That's pretty good. Yeah. This will be the card. Yeah. This will be the card right here. Here we go. Yes, it's not helping at all. Oh no! I think the location in this set are not very strong. You have the same feeling about this, or well, locations. It depends on the deck. I think that locations are really one of those mechanics where we wanted it in for a thematic reason, like we wanted to be able to bring in these locations from Disney films. Mm. And so when Steve and I came up with the idea, we were like, okay, how do they play in the game, right? And so I think this is like the introduction of locations. Okay, yeah, right? yeah. This is like the intro. There are some very good ones, like Tiana's Palace, for example. Yeah. Very good location. Okay. There's a couple of them that I think are going to see some really strong play. Unfortunately, McDuck Mansion is not what I need right now. Indeed. So you know what though? I'm gonna play it anyway, and gonna move. Oh, right. So now Hydros is McDuck Mansion strong, yes. for no reason, right? And I'm so. But then, yes.
I'm going to exert Della Duck. It's a very good choice. That's right. Okay. Meaningless. And so I won with Pua. Good game, sir. Good game. That was fun. Really fun. Last. I never said I was good. I told you that. never said I was good at this game, but I do love playing. I do love it. It was an honor to play with you. Thank you. That was a lot of fun. And I appreciate some of the. Actually, I was supposed to play this deck. Yeah. What is the deck? You know, so maybe the set four. I was supposed to play this deck. Oh. And you know, if I was able to play this deck, I probably would have won. Nice. You know, so. il a un deck avec plein enchanté. Le mec, il brague un petit peu. Là, il est cool. Okay. This is my the deck I normally play. That I really enjoy. It's, you know, Emerald and Sapphire. I like the this card is really, really good. It's so good. I love this card. Oh, you have a really nice deck. But that's one of... On va y aller. Oui, tout à fait. Donc, il reste techniquement une game. Non, c'est pas... Coup, le problème, c'est que de toute façon, on n'a pas le temps. Est-ce que tu as gagné? Est-ce que Petit Quick a gagné? Petit Quick a gagné. Donc en fait, elle est à deux victoires. Et l'autre qui a deux victoires, c'est le mec qui vend des cartes. I lost again. Eh ben, je pense que. Oui, j'ai perdu. Ouais. En fait, il faudrait faire la finale. Il faut faire la finale, effectivement. On peut les laisser du coup autonome ou pas now? Ce que je vais faire, c'est que moi, je ne vais pas jouer. Ouais, tu vas. Je vais faire la régie. How can I face myself? Super limite. Super, on les caste. Ok. C'est vraiment le jeu. Non, on s'en fout. Ok, d'accord. So, last question. Yeah. Okay, so the set 3 is released today. Yep. In some local game store, and you work your team works. What is the set actually in the? The set they're working on right now. Yeah. No, yeah. I can't tell you that, but okay. I know I can't tell. We're obviously working pretty far out because we the process is actually pretty lengthy. Right, from designing cards to having them in booster packs for sale, right? And so we have to make sure we're working pretty far out. You know, not only do we have to design the cards, but then the art has to be concepted, and then like sketches, and then those need to be approved by Disney, and then, you know, there's changes and things like that. And so that process takes quite a while. And then there's the whole production of it, too. So actually printing the cards, making the... packaging and all that stuff. So we have to work pretty far out just to make sure that we can maintain our cadence of one set per quarter, right? Yeah, yeah. So we're working pretty far out, but yeah, Steve's team is they're on the cutting edge. They're definitely there, and it's just so exciting because I always tell people, like, designing a game is that, you know, that feeling you get when you buy someone a gift and you're excited for them to open it. Yeah. And you can't wait and you're hoping that they like it. That's how we feel about every set, right? And so it's really fun. We get to do this every few months of just like, here's a new thing. I hope you love it. Like, I hope you have fun with it. And so it's just really fun. And I'm excited for the stuff that's coming out. But I'm really excited for set 3. I think it's going to be really fun for people. We've got some really fun cards and just some amazing artwork and the new location cards. It's just a lot of fun. So I'm excited for people to get the cards in their hands and start playing. So. Thank you very much, and congratulations for this game. I used to be TCG expert, and it's pretty easy, but I will do some tournament with 100 of players, and it's easy to learn, hard to master. Really, that's the hope, right? Yes. Because I was telling you earlier about how we wanted trading card gamers to play and Disney fans to play, and the trading card gamers need that strategy and the skill and all that stuff, and you know, new players need that kind of welcoming. Like the game itself is fairly easy to pick up, and you know, trading card games in general, I think, can do this fairly well because the rules themselves are just like the structure, the basic structure. Of course, the rules themselves can be fairly simple and accessible, and the strategy comes on the cards, right? And I think that has allowed us to strike that balance of, like, let's, you know, make some cards that are really, you know,
exciting to play, and there's decks out there to find that may not be obvious, and I think that's what the trading card gamers love to do. Yeah. But then we've got those amazing characters and the amazing art that everyone loves, but the Disney fans especially, right? And so, and we have lots of people who just like to collect, and I think that's great, of course, right? Yes, it's so fun. It's a fun game to collect. But my hope is a lot of the collectors, or some of the collectors, will be like, I wonder what that game's like, right? I'm going to try that game. And so that's been really fun to see. And it's been fun to see, like, families come and play, which is one of my favorite things. I've never seen, in 25 years of being in this business, I've never seen a game really have families. You know, I go to my local store. It's called Game On. It's in Puyallup, Washington. Okay. And I was there a couple Sundays ago. And there is, you know, mom, dad, and three sons, and they were all there to play Lorcana. It was just so cool, and just really, it's just been really great to see that. So, see so many different types of people playing. It's just wonderful. So, the job is done. All right. Well, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Yes, nice. Adorable. Let's go. Let's go, les gars. Next. La finale. Petit quick. Ouais, il était super. Désolé, hein, j'ai bégayé beaucoup. Je suis vraiment pas très très fort en anglais. Je comprenais ce qu'il disait. Et je pense d'ailleurs que, j'espère en tout cas que vous êtes beaucoup à avoir compris ce qu'il disait. C'était évidemment le principal. Et franchement, c'est cool. Hein, parce que je suis. Bon, évidemment, là, on est sur une sponsor Ravensburger. Je dirais pas forcément l'inverse si je ne le pensais pas. Mais il y a vraiment ce côté où j'ai beaucoup aimé leur canard, notamment à partir de la série 2. Là, je répète, j'ai fait toutes les cartes en analyse de la série 3. Je vais sortir une. Une vidéo par jour à partir d'aujourd'hui sur ma chaîne et vous pourrez trouver sur la chaîne des jours du dimanche, donc sur la chaîne de Twitch de Max, de nombreuses games. On va évidemment s'entraîner pour les tournois et c'est vraiment un jeu, il y a beaucoup de TCG qui sortent, mais c'est vraiment un jeu qu'on va suivre de très très près. L'univers est cool, le jeu est cool et c'était vraiment sympa de jouer. Let's go. Allez, je vous laisse. Alors là, on va jouer, donc il va y avoir Petit Quick que vous avez peut-être vu sur le tournoi de Gigi et le Lorcana des 2. Je l'avais affrontée la dernière fois. Elle a une revanche à prendre sur moi. Mais la première fois qu'on s'est vu, pour info, elle m'avait battu. Et donc voilà, c'est un petit peu comme un shonen, on est un petit peu les meilleurs ennemis. Voilà. Et là, elle va jouer contre quelqu'un qui m'a battu, qui va se présenter lui-même. Oui. Ouais. Ouais. D'accord. Et on va commenter le truc. Et... T'as raison. Ouais, mets notre chaise effectivement, ouais, et comme ça. Oui. D'accord, très très bien. On va faire le show, etc. Carrément. Bon, donc en fait c'est, on a décidé que on allait faire un truc particulier, c'est-à-dire qu'on va caster, mais juste à côté des joueurs. Là, on a la finale, donc Petit Quick qui va quand même. Qui va quand même pouvoir se présenter rapidement. Juste décrire les cartes et ce qui est possible de faire avec que de vraiment commenter les plays. Donc ça va peut-être vous perturber un peu, mais essayez de vous focus. Alors, présentation. Je vais vous montrer les caméras quand même. Ouais, effectivement. Ouais. Et moi, du coup, je vais demander à Petit Quick. Donc toi, à la base, tu es. Comment on peut te qualifier ? Influenceuse ouverture. Créateur de contenu sur l'univers Disney, collection univers Disney, etc. Grande fan de Lorcana, joueuse, collectionneuse aussi à fond. Tu es dans une team de. Oui. De... Je représente la Savior aujourd'hui là. Je suis team Savior à fond avec les gars. Je sais pas s'il y en aura dans le chat qui suivent. Ah bah oui, regarde, ils sont tous là. Regarde, parfait. Les boss. On est dans une team, donc en fait vous coordonnez pour pouvoir tester ensemble et pour pouvoir après truster les top 8 des différents gros tournois. Ouais, c'est ça. On cherche les meilleurs decklists, on se donne des conseils, cool. On échange des cartes aussi pour pouvoir créer nos decklists. Et puis voilà, on s'entend super bien et ça se passe bien. Et avant ça, tu avais une expérience sur les TCG ou c'est vrai? Aucune. C'est cool de voir que leur canal justement a. J'ai peur de faire une faute d'orthographe. Ouais, non, c'est OU. Il me semblait bien. Au lieu du W. Au lieu du W? Ouais. Ça, c'est bon? Très bien, c'est parfait. Voilà, okay. Voilà. Et donc on peut te retrouver donc, notamment sur Insta, c'est ça? Sur Insta, YouTube, Twitch. D'accord. S'ils veulent voir du Lorcana sur Twitch plutôt. Ça marche. Insta, j'en parle aussi. Ça marche. Et on a à côté, est-ce que tu peux faire un c'est petit bon peu comme moi pour avoir. Non, Thomas, tu veux? Mais ça t'intéresse, Card ça sens. Hunter, le chasseur de cartes qu'on a en face de nous. Tu vas pouvoir te présenter très rapidement au micro de Max, histoire de juste. Voilà, rapidement. Bah, je te donne le micro comme ça. Voilà, comme ça tu fais ton truc et que ça te permet de te présenter. Yes, bonjour la commu.
Salut la commu. Moi c'est Thomas de Cards Hunter, donc j'ai une chaîne YouTube. Ouais. Je parle principalement de cartes de collection, principalement Pokémon, mais aussi un peu l'Orcana, One Piece et tous les autres univers, Flesh and Blood, etc. On ouvre des cartes sur, sur YouTube et Twitch. Okay. Et j'ai une boutique également. Voilà, donc c'est un peu, je combine à la fois ma passion et puis mon métier. Et là, bah, on est en finale. Je suis contre une joueur experte, beaucoup plus expérimentée que moi, donc va falloir. Alors tu m'as battu tout à l'heure parce que tu as eu évidemment beaucoup de chance. Est-ce que donc après tu vas jouer contre Max. Ouais. On est d'accord que du coup là les joueurs du dimanche sont à 0-2 contre toi. Ouais. Eh bien c'est pour ça qu'on a invoqué le titan. Le titan colossal pour essayer de te battre, et elle va essayer de faire un truc qui est quand même assez utile, on va pas se mentir, pour avoir un petit avantage quand même à ce jeu, c'est de gagner un toss. Le toss c'est pas mal. On va voir qui est le plus grand sur 2D entre vous deux. Allez, vas-y, à toi l'honneur. 7, mais tu peux mieux faire. Ah, c'est pas top. Et tu décides de commencer. Oh. Quelle surprise, très étonnant. Effectivement, c'est très fort. On m'a laissé commencer après avoir perdu le toast tout à l'heure. Ouais, ouais, j'étais à côté d'elle et elle dit. C'est Tatiana, c'est ça? Ouais. J'espère. On pourra peut-être la voir tout à l'heure rapidement. C'est vrai, bah, je vais. Non, je voulais te battre. Tu voulais me battre? Mais Tatiana, qui a moins l'habitude de jouer, elle gagne le toast et elle dit: du coup, tu veux commencer ou pas? Non, je vais te laisser commencer. Là, je la regarde, elle reste poker face et je suis en mode bon bah bien joué. Effectivement, c'est plutôt pas mal. Et moi, j'ai demandé du coup à, comment il s'appelle, Ryan, c'est ça? Ouais. Du coup, une encre éphémère, c'était intéressant. Il dit bah en fait, si vous voulez pas complexifier trop le jeu, on rappelle qu'à la base, c'est quand même quelque chose qui est censé justement être assez facile à apprendre, et le fait de rajouter un petit truc que tu peux craquer à tout le monde, peut-être que c'était un peu too much. Bon, peut-être qu'il y viendra. Je pense qu'à chaque fois, je vais essayer de moi de. D'accord, tu as lavé le cul. Je vais laver le cul. Super. Je vais donner aucune chance. Est-ce qu'il t'a proposé un job? Il m'a proposé un. J'allais dire une dinguerie, mais on est sponsorisé. Ravensburger, on va rester tranquille. Donc du coup, alors, vous allez mettre vos decks ici, vous allez mettre votre défausse là. C'est donc petit quick qui va commencer. Prenez bien main de cette carte. On va commenter cette game. Évidemment, fait comme si on n'était pas là. J'ai envie d'être concentré sur le cast, et moi, je vais faire en sorte que les cartes s'affichent, que les points de vie soient nickel. Ça, j'aime bien ça, j'ai pas géré la technique, ça me fait plaisir. Tu prends cette carte, ma chère petit quick, est-ce que tu es contente? Déjà, tu arrives en finale alors qu'à la base, t'étais pas très contente de ton deck. Non, mais ça, c'est tout le temps le cas quand je fais des scellés, des drafts. Je suis jamais contente de mon deck et je performe toujours bien. Ouais. C'est le talent. Ok, d'accord. Donc, on peut faire une prédiction, chat. C'est-à-dire que le jour où t'es contente de ton deck, par contre, tu vas te faire atomiser. Okay. Mais... Bon, en vrai, je vois quand même plutôt des bonnes cartes. Toi, du coup, tu es plutôt contente de ton deck ou. Très aggro. Je fais la prédiction. D'accord, ok. Bah ça a marché, hein. Je pense pas que ce soit. C'était. En tout cas, quand tu commences, c'est encore mieux. Tu jettes une carte, toi tu réfléchis. Je réfléchis. Ouais, de base, elle a une bonne main, hein. Elle est pas pour présenter. Est-ce que tu viens à Vernon, petit quick? Bah, je ne sais pas encore. C'est en discussion. J'aimerais bien, mais. Ça marche. Il y a un gros tournoi à l'Orcana les 9 et 10 mars. N'hésitez pas à vous renseigner sur Internet. La prédiction en cours, les amis. Et allez-y. On y sera avec notamment Marie, notamment Max. Adi sera au cast. Bref, on va essayer de vraiment faire un gros événement. Et puis il y aura l'Orcana Détroit le 13 avril, mais je crois qu'il est déjà complet. Donc on va plutôt se concentrer là-dessus. Bon, on s'en fout. On est là. On se fait confiance. Merde. On se fait confiance. Bon, allez. Petit quick. C'est parti. Je vais être absolument désolé d'avance. Je vais être très chauvin parce qu'en fait tu nous as lavé les fesses tous les deux, donc et petit quick c'est un peu ma championne là, ma némésis. Ouais, je suis ta némésis. Non, je ne te crains pas. Okay. Je l'ai. t'es la personne qui peut nous sauver l'honneur. Okay, allez, vas-y. Je pense que je vais ancrer Milo. Ouais. Et pour un, je vais jouer les adeptes de Tchernobyl. À toi. Ouais, t'as hésité à faire l'inverse, ce qui aurait pas été mauvais ouais, non plus. Ouais, mais ça donne de la drogue. Effectivement, adepte, très bonne petite carte à 1 qui perd effectivement un point de volonté par rapport à Milo, mais qui peut s'auto-bannir pour pouvoir piocher une carte qui évidemment est très très forte. Tu peux y aller, hein, je commente moi, je vais parler tout le temps. Oh là là, et en plus il ne fait rien. Alors du coup, t'as pas mieux gagner agressif pour essayer peut-être de te défendre sur un truc à 1. T'avais une bonne curve, ok, très bien. Je pense que tu as déjà gagné cette game, on peut le dire. Je rigole. Je rigole. On a donc un adepte. Tu as
tu dégages ça. Nala. Ouais. Pour deux, je vais jouer. Crois-moi, j'ai vu pire. Ça me permet de piocher et de défausser une carte. C'est intéressant comme carte, effectivement. On préfère mes amis de l'au-delà qui permettent de piocher deux tout simplement, mais ça coûte un de plus et c'est violet dans la série 1. On a, oui, un compteur. Alors Max, il y a un point pour Petit Quick. Un point de l'heure sur Petit Quick. Un point de l'heure, effectivement. Le crois-moi, j'ai vu pire, a fait son effet. Ça t'a permis de faire un petit peu de quality advantage puisque tu as pu sculpter un petit peu ta main, mais tu n'as pas mis du coup cette petite Nala. Cette Nala, de toute façon, elle coûtait. Donc tu n'avais pas de carte à jouer à deux, donc autant piocher. Et puis bon, de toute façon, il n'est pas très agressif en face. Ok. Monsieur Mouche, qui est une des meilleures cartes à deux, je pense, du format. Enfin, franchement, elle est très solide. Elle n'a pas d'alter pour le moment. Mais 3-2 pour 2, qui ancre à 2 et qui a un défaut qui existe, mais enfin, qui n'est pas non plus infâme. Franchement, c'est une bonne option, en tout cas, quand vous jouez acier. Ça hésite beaucoup du côté du Petit Quick pour partir sur une stratégie ou sur une autre. En tout cas, Monsieur Mouche peut-être avait un peu tempéré les ardeurs de Petit Quick, qui pour l'instant était bien parti, mais qui a fait une sorte de tour un peu à vide sur le T2. Ça hésite. Ça prouve vraiment que le jeu, il faut quand même... Enfin, voilà, c'est ce que j'ai essayé de dire, tant bien que mal, à Ryan, c'est que franchement, je trouve qu'il a bien réussi le taf, que ça plaise à la fois aux amateurs de jeux de cartes et à la fois aux amateurs de TCG, et moi-même qui suis quand même... Enfin, j'ai quand même roulé ma bosse dans le TCG. Je suis vraiment. Enfin, j'ai hâte de faire des tournois et franchement, c'est cool. Ça ancre une Vaiana qui était insaisissable pourtant, mais il faut bien faire un choix. Et pour 3, elle va jouer. Et c'est Wendy qui est arrivée sur. Dans le jeu, effectivement, soutien hors d'atteinte, ce qui est pas mal. Ouais, il peut pas la cibler, enfin, il peut pas la choisir avec des cartes. Elle paye pas mine comme ça, cette Wendy, mais elle est super rare. En vrai, elle a quand même des bonnes stats. Hein, le fait de pouvoir l'heure à 2, 3, 1, ça permet quand même de bien se défendre. Et le soutien, donc, c'est quand elle va à l'aventure, eh bien, elle va mettre sa force sur une autre carte. Tandis qu'on a une Helga Sinclair en face qui a offensive, donc il a paraît être 2-4 pour 3, mais qui en fait, quand elle attaque. Comme elle est vénère, elle peut être 4-4, ce qui peut être cool. Le Monsieur Mouche, est-ce qu'il va à l'aventure? C'est la question qu'il se pose, car il serait peut-être du coup à la merci de ses adeptes. Il n'a pas envie de se faire trade, peut-être qu'on est sur un statu quo. On est sur un statu quo, en plus on montrait que Monsieur Mouche, quand tu le mets tête baissée, bah, malheureusement, il se prend des crabes dans les yep. Pareil, une citation. Est-ce que tu as un sentiment, Rof? Alors, j'avais le sentiment. Qui est mieux parti? Ouais, alors bon, déjà. Il y a un de l'or, c'est Petit Quick, je crois que c'est gagné. Déjà. Si on arrête maintenant, on l'a gagné. ensuite, Petit Quick a gagné le toss, qui est quand même, je pense, notamment scellé assez fort. Elle a eu un bon départ, alors que lui avait tour 1 rien. Donc, si en fait elle avait pu faire un truc tour 2, et ça aurait été. Mettre une menace tour 2, ça aurait été bien. Elle a gâché, entre guillemets, en tout cas, elle a eu un petit tour à vide autour d'eux, ce qui en vrai arrange bien parce que sinon il était un petit peu derrière le pauvre Boug. Et là, mais elle est quand même un peu devant, elle a forcément un tour d'avance. Et elle va jouer Agrabah, on va jouer des lieux ici. Agrabah que vous pourrez trouver dans le starter qui est Ruby Saphir. Et ça se regarde, pour l'instant ça se méfie. Tu as payé 3 du coup, ma chère. Ouais, non, mais on fait pas ça, nous. Alors, je viens de t'expliquer un truc. T'as raison, mais je sais pas, ça me gêne. D'accord, c'est pas la règle. T'as ancré quoi, toi? Ouais, attends, parce que... Il en a rien à foutre, tu vois. De toute façon, il joue avec Dira, il s'en fout. Alors, Maléfique, c'est la carte qui m'a fait les fesses la dernière fois. Enfin, quand j'ai joué contre lui, notamment parce qu'elle peut permettre de faire du card advantage, mais elle s'offre un petit peu, donc peut-être que... Ouais. Ouais, ouais, alors quand même piocher une carte. Mais c'est le choix que tu as décidé de faire. Et moi, je la ferme bien, je vais te dire, parce que tu m'as battu. Et que c'est pas moi qui suis en finale. Donc, je vous laisse faire vos plays. C'est juste qu'il fait bizarre de voir une légendaire qui va en encre. Mais c'est peut-être pour jouer une super carte qui est, par exemple. D'accord. Ok, on respecte pas la rareté chez cette table. Alors, attends, parce que. Ouais, elle est très impatiente, elle a envie de jouer, elle a envie d'en découdre. Elle trouve que ça va pas assez vite.
Ouais. C'est un peu le défaut effectivement des. Ouais, il y avait même plus parce qu'il y a offensif, ça marche sur un. Lorsqu'il défie. Je crois que ça marche pas sur un lieu, on est d'accord. Hein. Quoi qu'il arrive, ça passe. On va mettre un petit marqueur sur Monsieur Mouche. Non, il s'est rien passé. Pas de lore. Enfin, c'est au niveau de du lore. C'est juste qu'il a on détruit. Part pas à l'aventure. Il a détruit, mais en même temps, donc ça veut dire que Monsieur Mouche a gagné un petit marqueur dégâts et que du coup, petit Quick, eh bien, voit ces deux cartes inclinées et va peut-être se venger. Ah, en tout cas, c'est intéressant comme game pour l'instant. Mais voyez, alors là où il n'a pas forcément tort, c'est que il lui fallait de toute façon pouvoir jouer cette carte au tour 4. On va essayer de curver bien sûr tous ses tours, notamment les premiers. Je vais mettre Tchernabog dans Monsieur Mouche. Monsieur Mouche qui se fait battre par les adeptes de Tchernabog. Et pour 4, on va jouer un Amadou Gentil qui est un 5 rempart qui va à 2 de l'or. Est-ce que Wendy fait quelque chose? Elle part à 2 directement. Je veux bien deux aventures de plus, oui bon. Pour petit Quick. Et 1, et 2, et 3, 0. Si je peux me permettre, ma chère petit Quick, je suis à la fois caster et à la fois. J'ai l'impression que la première carte que tu as en ta main est nulle. Non, pas avec ce que tu as dans mon deck. Pas avec ce que tu as dans ton deck. Aïe, 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 des exemples. Ouais, j'ai le droit. C'est vraiment c'est un sale type, casse-lui la gueule. Mais non, j'ai dit à elle. Bah justement. Pourquoi lui me casserait la gueule? Je viens de trash talk son adversaire. Ah, je croyais que tu lui avais dit, si je peux me permettre, ta première carte elle est pas mal. Non, j'ai dit qu'elle est nulle. D'accord, en fait, n'oublie pas que je t'entends pas. Ah, tu m'entends pas? Et toi, t'entends tout ce que je dis, mais. Moi, j'entends tout, moi. J'entends tout, j'ai mes oreilles partout. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau? Bien sûr. Alors, je vais chanter une chanson avec mon tuy. Oh, tu chantes des chansons? Et oui, il va faire le. Oh là 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 là, une bonne carte qui va lui permettre de faire du. J'en mets une dans ma main. Card avantage. J'en mets l'autre dans la réserve. Ouais, ça c'est fort ça, hein. Tu sens un petit peu que la victoire t'échappe? Rien n'est fait. T'as raison. Te laisse pas impressionner. Regardez, deux fois la carte, et tu peux même donc placer votre réserve en face cachée épuisée. C'est-à-dire que tu peux même techniquement avoir une carte non ancrable. Ouais, ça fonctionne. Ça marche. C'est fort. Ouais. Ok. Et pour 18. Belle Marianne. Ouais, et du coup, il a moins 1. Et du coup, comme il a moins 1, Elga regagne 1 point. Et non, ça marche pas comme ça. C'est bon ? Allez, donne tout, meuf. C'est pas la bonne. Parce que si c'est pour ça, mais ça non, vaut pas le coup. J'en ai des trop bien. Allez, 3 à 0 là. Le manoir d'enfer. Si je me suis pas foiré. Pour petit Quick avec une Zaza. Zaza qui vient de quel dessin animé, toi qui t'y connais bien? Oh, on me disrespecte. C'est pas grave, on va se concentrer. Ça cogite. Il a effectivement pas mal repris le board, hein, de la part de Thomas. Il est pas mauvais, hein. J'ai pas perdu contre le plus naze. En fait, il a clairement un deck avec des cartes qui font du garde avantage, ce qui est mandatory. Ouais, c'est fort. La maléfique, bon, j'imagine que. T'as raison, on va dire ça. J'ai perdu parce qu'il a les meilleures cartes. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est que de la chance. Ah mais depuis tout à l'heure, bien sûr. Il lance des cartes au pif. Ouais, je pense qu'il va on gagner la guerre. Pas les mecs qui gagnent contre nous. On plaisante évidemment. Mais oui, c'est que de l'amour. C'est de l'amour. Vous nous connaissez. Bon, on espère que ce petit format à l'Orcana vous plaît. Quelle heure est-il? Oh putain, c'est bientôt fini, ça dégoûte. Parce que Wendy va partir à l'aventure. Elle va donner sa force à Amadou. Je leur coupe pour 2. Ouais, c'est fort ça. Et du coup, il ouais. Tape à 4. Et il va aller taper. Ouais, le fait de. En fait, le soutien, c'est un truc qui est un peu. C'est pas mal, hein, le soutien. Hein. Bah, à la base, c'est pas ouf, mais là, dans la situation, et notamment en scellé, c'est pas mal, ça permet de.
Ouais, il avait le choix entre Elga ou Tui. Elle est partie sur Tui qui est, qui s'est fait tuer. Qui s'est fait tuer, malheureusement. Effectivement, alors le Amadou a pris cher, mais ça lui a permis de pouvoir gérer une carte qui était assez relou. Le Bayou est ancré. Et il joue Mufasa 3-10 que je jouais aussi. Ouais. Voilà. Ouh là là. Alors que son adversaire. Les belles cartes. Ah, ça s'affiche bien. Hein. Ça marche bien cette histoire. Hein. Ouais, 3-10 Vanilla. Donc voilà, c'est vraiment pas une carte qu'on va jouer en construit, mais en. En lutte. Moi, je pense pas. Je pense pas. Et tu sais quoi, je vais aller demander au créateur du jeu. Non, c'est vrai. Je pense pas, mais. Tu vas demander quoi? Est-ce que le défi quand tu tapes un lieu, ouais. Ah, je crois qu'on je crois que techniquement on défie un lieu. Je pense que ça marche. Hein. En fait, dans ce jeu, on n'attaque pas un personnage, on le défie. Donc à partir du moment où ton personnage inflige des dégâts à quelque chose, quoi que ce soit, j'ai l'impression qu'on le défie. Donc, alors c'est bizarre effectivement de dire on défie un lieu, mais. Alors vous noterez que c'est extrêmement pratique quand vous avez un doute. De se dire, bah, je vais demander au mec à créer le jeu, c'est pas mal. C'est bon. Alors. Ouais, parce que en fait, c'est ce que je disais à Laurent. Tu vois, ce qui est bien, c'est quand tu poses des questions à ce genre de personne, tu peux pas lui dire, t'es sûr? Parce que. Et moi, en fait, je pensais que ça marchait pas, mais ça marche. Et donc, ouais. Bon, alors, voilà. Donc, offensif, en fait, c'est un challenge. Et en fait, quand tu vas, tu challenges un lieu. Et donc, ça fonctionne. Désolé, hein, j'ai tout fait pour essayer de te sauver. Mais malheureusement. Dans le contrôle effectivement du board qui est très fort. Alors que petit Quick sort des cartes. De merde. on est d'accord, on peut le dire, là on peut le dire. On peut le dire que elle avait une synergie mais que ça s'est pas très très bien, ça s'est pas passé comme elle le voudrait. Tu dis t'es pas stressé, elle fait non. Moi non, pas du tout. Qui va tranquillement contrôler le board et puis il va marquer 18 de l'or à la fin. Ah oui non. Ah bah non là il a gagné. Pour moi, ça me semble compliqué. Il n'a pas dit son dernier mot. Zaza est là. Alors après, il y a un monde. Je l'ai montré tout à l'heure, celle-là. Ouais, ouais. J'avais pas lu le premier effet. Ah, il est pas mal. Il y a un monde où elle l'engage et pioche trois cartes. Et ça peut l'aider. Mais... En fait, ce qui est bien, c'est que cette carte n'est jamais bonne en début de game. Mais en fin de game, elle est forcément bonne. Soit tu l'or comme un porc. Soit tu peux. Soit tu en fait, vas je pense que c'est, dont t'as besoin, c'est une carte qui est un peu meilleure en construit où tu construis évidemment ton deck autour avec plein de petites cartes. Et... Ouais, ça va être compliqué. 34. Et je vais jouer le roi Louis. 7. Ah ouais, d'accord, on est là quoi. Et donc on vas-y. On a pas eu les mêmes boosters. Ouais, on a pas eu les mêmes boosters. Toi, tu vas ressortir. Il est où ton truc de mort là? La mauvaise foi. Hein. Bon. Ouais, bah, je sais, mais je tanque. Non, mais c'est vrai. De là à dire qu'il est triché, il n'y a quand même qu'un pas. Ouais, hein. Ouais. Judge, j'aimerais qu'on vérifie les boosters du monsieur. Après, le roi Louis est le roi Louis est quand même plus. Dans mon analyse, je l'ai montré. Il y a Lumière qui est sortie en série 1. C'était une carte rare, 7-7 pour 7, qui l'aurait à 2. Et là, on a une commune qui l'aura à 3. Petit power creep. Tu pourras en parler, Ariane. Et. Ah, ça. Donc, alors, bah, tu les révèles, non, de toute façon. Ouais. Voilà, parfait. Donc là, il faut qu'elle trouve des cartes qui coûtent 2 ou moins. Oh, ça va. Regarde, c'est ça que j'attends depuis. Ouais, donc en fait, elle a un jeu autour des lieux, on peut le dire maintenant. Il y a un jeu lieu. Voilà, elle a un jeu lieu. Il se trouve que elle l'a sorti totalement à l'envers, alors que pour l'instant, ça s'était bien passé jusque-là. Ouais. Donc, ils sont bien jolis tes lieux, mais ils sont. Ouais. Ils sont où d'ailleurs? Ils sont sous la pioche. Sous la pioche, voilà, très bien. Oh, regarde, ça ref. Sur l'outil qui me permet de vous afficher les cartes depuis tout à l'heure, je vous le montre, hein. Mais quand je tape juste lieu. J'ai tous les lieux. Il y en a 18, c'est beau, pratique, hein. C'est beau, ça, c'est merci évidemment aux développeurs hein, qui nous a fait ça, ça régale, ça vous permet d'avoir les cartes affichées. Des bisous à Mystique, nous regarde. Voilà, j'avais plus le pseudo. Faites le mec. Sur lorcards.fr. Yes. Vous avez toutes les cartes en français. Voilà, par exemple. Je vais aller taper ça. Hein. Je prends 2 là. Ouais. J'accepte. C'est la fin. C'est la fin. Non, c'est la fin. Oh là là, et j'avais ça et ça et ça. Oh là 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 là. Bon, pour le moment, il y a 10 à 5. Il est à la limite de l'impertinence. Ah, mais il y a le tapis volant qui est là, qui sert à ça. C'est dur. Bon, serrez-vous la main. Il y a non-assistance à personne en danger. On a petit coup qui se faisait casser la figure. Tu vas pouvoir, ma chère petit coup, quand même, nous montrer un petit peu.
Non, alors ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, s'il nous reste un petit peu de temps, on va amener Tatiana qui n'a pas joué et qui. Voilà. Ouais, rapidement, tant que je vais chercher, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la mécanique de ton jeu? Parce qu'en plus, ça utilise des lieux qui viennent du 7-3. En tout cas, bien joué, bravo à toi, tu as gagné le tournoi. Vraiment, et tu sais combien il y avait comme cash prize? Rien, mais c'était vraiment très bien. Bravo pour ta victoire. Beau tournoi, bien joué. Et alors du coup, Cards Hunter, tu es une boutique, c'est ça? Boutique en ligne. Et derrière, collectionneur. Un peu de tout. Bon, et ben voilà, vous savez où le trouver, évidemment, Internet. Et votre ami GG Cards Hunter pour ce tournoi. Petit quick, je t'invite à prendre le micro qui est à côté de toi. Et en bonne créatrice de contenu, j'explique. Explique ton deck. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est pas bien sorti, mais l'idée, à la base, c'était d'avoir plein de lieux qui ont des pouvoirs intéressants, mais qui coûtent extrêmement cher pour faire venir des personnages dessus. Comme le palais de Cusco, chez Tiana, le croc du dragon, c'est des lieux qui, quand il y a un personnage dessus, là, par exemple, les personnages ne peuvent pas être défiés. Ici, les personnages qui sont défiés et bannis, ça bannit également le personnage adverse qui vient te défier. Et Croc du Dragon, ça donne hors d'atteinte et insaisissable à mes personnages. Et j'avais la carte Voyage dans ma main depuis le début du Mulligan contre Thomas. Malheureusement, j'ai pas eu les lieux comme ça. J'en avais pourtant. Et là, j'avais l'île de l'Exil qui donnait résistance plus 1 au personnage qui était dessus. Et Voyage, ça me permet en fait de jouer deux de mes personnages gratuitement sur un même lieu. Et là, en l'occurrence, ça aurait pas été la même. Et là, tu t'es dit, ok. Ouais. Il y a synergie. Ouais, c'est ça. Et bah, malheureusement, c'est pas sorti. Tu n'as pas du tout eu le. J'ai eu la chance d'avoir un lieu violet que je trouve très fort. J'ai pas tu eu. Vois duquel je parle, j'imagine. Oui, bien sûr. Qui s'appelle le château de la reine. Ouais. Que je vous montre ici. Bon, déjà, il l'aura deux, donc on est content. Et en plus de ça, il nous dit au début de votre tour, pour chacun de vos personnages sur ce lieu, vous pouvez piocher une carte. C'est exceptionnel. Donc là, t'en mets deux dessus. Et tu pioches 3 à tous les tours et c'est parti. Et en plus, il est ancrable et en plus, pour les personnages. Il a 7 points de vie. Oui, et les personnages dessus, ça ne coûte qu'un à faire venir, c'est extraordinaire. Ça coûte qu'un pour les envoyer, il est ancrable, ce lieu est pété de ouf. Voilà, ça semble très fort. C'est peut-être le seul lieu que je trouve vraiment intéressant. Voilà, mais du coup, moi, c'est. Un peu lent. Ouais, mais dans un scellé, tu vois, ça aurait pu marcher. J'avais ça qui donnait résistance plus 1 à tous mes lieux et tous mes personnages sur les lieux. Zazu, s'il est sur un lieu, il aura un de plus. Ah, il y avait moyen, mais c'est pas sorti. Il y avait moyen, ça. Mais le deck n'est pas sorti comme tu l'espérais, non, malheureusement. Pas sur cette game, en tout cas. Ah, c'est dur. C'est dur. Voilà. Vous préférez quoi comme sleeve déjà, les gars? Je veux une réponse dans le chat unanime, car vous connaissez la réponse à cette question. On va voir si vous avez révisé. Tu joues contre Tatiana? Alors. Vas-y. T-Quick. Oui. Comment ça va? Ça va et toi, qu'est-ce que tu fais en face de moi? J'ai un feeling. Je vous explique un petit peu ce qui se passe. Donc déjà, ce qui est cool, c'est qu'on a pu vous montrer un tournoi avec à chaque fois. Donc on a fait 3 rondes en fait. Bon, on n'a pas joué notre 3ème ronde, mais c'est particulier, c'est parce qu'on on était dans le feu. Et en fait, on a pu réussir à voir la finale. Bravo, petit Quick, tu n'as pas démérité. J'ai perdu. Et là, ce qu'on va faire, je prends un petit peu de temps, puisqu'en fait, ils sont en train de jouer Marie Grandjeu, Ryan, donc un des créateurs du jeu que vous avez vu tout à l'heure, et Tatiana de Girl.Game. Ils sont en train de finir leur partie. Une fois qu'ils auront fini, on va quand même invoquer Tatiana à cette place pour que je puisse l'affronter. Je pense que je vais faire une petite game contre elle, savoir un petit peu tout ça. Ma chère petit Quick, c'est le moment de parler un petit peu de toi. Ok. Est-ce que, donc du coup, on rappelle, tu es à la base pas une joueuse de TCG? Pas du tout. T'es clairement rentré sur le TCG via l'Orcana. Tout à fait. Est-ce que, qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'Orcana? Est-ce que c'est plutôt l'aspect collection? Est-ce que c'est plutôt l'aspect compétitif? Est-ce que c'est un tout? Qu'est-ce qui te met le plus en joie dans ce jeu? Alors, c'est un peu un tout. À la base, moi, quand j'ai pris connaissance de l'Orcana, quand j'ai appris que ça allait sortir et qu'il allait avoir un TCG Disney, j'étais très hypée par l'aspect collection, parce que je suis une collectionneuse avant tout. J'adore les jeux de société, mais le TCG, ça va être... Tu dois avoir, si je peux me permettre, chez toi, un nombre de bordels. Oh, non, c'est bien rangé. C'est bien rangé, mais il y a beaucoup de jeux. Je suis ce qu'on appelle un minimaliste. Ah, je ne suis ce qu'on appelle pas du tout une minimaliste. C'est d'accord qu'on est. Là, voilà. En ça, on est némésis. Exactement. C'est pour ça, on se retrouve sur leur canal. Mais du coup, c'est cool. Ouais. On se retrouve du coup sur un jeu. Donc, moi, je viens. Moi, alors Disney, quand même, j'aime bien. Et quand même, le lore, j'apprécie beaucoup. Je connais quasiment tous les films. Donc, de base, c'est clairement un plus. Mais
si ça avait été un mauvais jeu de cartes, on ne serait pas là. Tout à fait. Mais donc toi, à la base, vraiment, tu kiffes Disney. C'est ça. C'est ça. Et le fait de te dire que, ok, je joue un petit, j'imagine que donc t'as récupéré quelques cartes, tu les as ouvert en mode ah c'est cool j'ai ça. Ouais, bah en fait. À quel moment t'as passé le cap entre ah c'est cool j'ai un Mickey et ah mais en fait ça m'intéresse de jouer. Parce que j'ai Ravensburger qui m'avait demandé si c'était possible de faire entre guillemets la promotion du jeu, okay, cool, plus que de la collection, donc j'ai fait une vidéo pour mettre en avant la partie jeu. D'accord. C'est là que j'ai découvert les règles et le jeu tout simplement, c'est ma première partie. D'accord. Et j'ai trouvé les sensations super et je voulais toujours aussi collectionner à côté. Je pensais pas me lancer autant dans la compétition et dans le tu vois, participer à des tournois, etc. C'est bien. Et j'ai participé à un tournoi en draft à mon local, à une boutique à Nantes, chez Sortilège, pour les nommer. Ouais, et j'ai adoré. En fait, je pensais être nulle, j'ai fait ma draft et j'ai bien performé, j'ai fini deuxième. Bien. Et je me suis dit, ouais, il y a un truc à faire. Je comprends ce que je fais, j'adore et je me dis, il y a un truc vraiment. C'est à ce tournoi-là que vraiment je me suis dit, je veux me lancer dans le jeu compétitif Lorcana, quoi. Cool. Voilà, vraiment à force de jouer. Et puis en fait, j'ai rencontré plein de gens qui sont trop cool. La communauté, elle est extraordinaire. Je trouve que c'est hyper bienveillant. Je me suis fait plein de nouveaux amis. Tout, c'est génial. Vraiment, c'est génial. J'adore. Trop bien. Une success story. From, j'ouvre des cartes parce que c'est sympa, parce que c'est Disney. Ouais. Tout peut-être champion de France, champion du monde, peut-être. Peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on peut me souhaiter. En tout cas, on s'est fait un. Comment dire, on était donc sur le tournoi de Gigi la dernière fois, sur l'or canadais. Mm. Et effectivement, j'ai vu une adversaire redoutable. Avant ça, on avait fait une petite avant-première pour la sortie de la série 2. Oui. Et tu m'avais battu. Oui. Ce jour-là. Est-ce que tu savais que tu battais peut-être probablement top 3 des meilleurs joueurs du monde? Oui, parce que quand je t'ai battu, je pense que tu ne t'attendais pas à ce que je te batte, c'est sûr. Et tu m'as dit. Vraiment, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à me battre. C'est vrai, bravo, je dis toi. Ça, moi. Vraiment. Je suis vraiment un sale con. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis un peu misogyne sur les bords. Hein. J'ai compris que j'avais affaire à un boulard. un boulard, on peut le dire. Regarde dis-moi. La prédiction. Wow. Carnanta était à 51, t'étais à 49. Ah, c'était serré. Bah. C'était serré. Je vous laisse. Je vais essayer d'accélérer la demoiselle parce qu'à mon avis. Les amis, la prédiction est validée. Je vais prendre la place up de ce bon Rof. Désolé à tous ceux qui ont cru en moi. En tout cas, merci petite quick. J'ai envie de dire petite quick. Je mélange des trucs, c'est horrible. Comme tu veux, tu peux m'appeler Roman. Merci d'être venu affronter ton adversaire ici, c'était cool. Je crois que sur Lorcana, on va te voir souvent. Oh, parce que y a moyen. J'ai l'impression que ça se passe bien. Et que dès qu'il y a un event Lorcana, on se voit. Je crois qu'on va être amené à se voir souvent. Dès qu'il y a un event Lorcana, je viens, je suis là, j'ai envie de participer à ce jeu en quel je crois vraiment. Et j'ai envie que les gens découvrent le jeu au-delà de l'aspect collection. Et vraiment, j'adore. En fait, ce qui est cool, c'est que. Et c'est, en fait, quand je préparais l'émission tout à l'heure, on voyait le décor et on se disait oui, de toute façon, c'est un truc qu'ils vont réutiliser, donc ça va sûrement durer. Oui. Le temps que ça durera, mais on espère quelques années. Et. J'ai été content de voir que Ravensburger avait mis les moyens, c'est-à-dire qu'ils auraient pu se dire « Ok, le lancement a cartonné, on va faire en sorte que ça marche le plus longtemps possible, mais sans prendre trop de surtout risques. En investissant le moins possible, parce que le but, c'est de faire du pognon. Ouais. » Et en vrai, non, ils ont mis les petits plats dans les grands, ils ont investi quand même pour qu'on ait un stand qui est waouh, et je vous le dis, de tout le festival du jeu, c'est de très loin le plus beau stand. On le voit de loin. On le voit de très loin. Ça brille, c'est moderne. Il y a des LED partout. Il y a du volume. Il y a des écrans. Il y a des événements organisés tous les jours. Là, aujourd'hui, c'est cet événement-là. Toi, demain, tu vas faire quelque chose ici. On fait un petit événement autour de Disney. On fait un petit événement autour de Disney où on va faire un quiz. Il va y avoir des petites animations, des jeux, des cadeaux à gagner. Très bon enfant. Donc. C'est ouvert à tout le monde, hein, s'il y en a qui sont sur Cannes et qui veulent venir dans la limite des places disponibles, parce que ça sera dans ce grand illuminarium Lorcana, donc c'est pas très grand, donc on peut pas accueillir tout le monde, mais s'il y a des gens qui viennent, avec grand plaisir. Si vous êtes dans le coin, passez une tête effectivement au Fige, qui est quand même un salon très sympa. Alors évidemment, je vais pas vous mentir, là on est vendredi, ça va. Oui. Demain, il va y avoir un peu de monde, ouais. Et dimanche aussi, évidemment. Mais c'est vrai qu'en fin de journée, c'est peut-être un peu moins blindé. C'est à quelle heure ton animation? C'est de 16h à 19h, à partir de 16h. Donc, voilà, donc c'est plutôt en fin de journée. Sur donc le a priori, stand. C'est moins blindé. Ici. Ça peut être intéressant, c'est sur le stand directement. Donc venez voir ça. Et puis nous, on va aller voir
ce dernier match, même si Rof essaie d'accélérer les choses. Ça rigole beaucoup en tout cas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça s'amuse. C'est, que ça s'amuse. C'est ça leur canard. C'est quand même le but de tout ça. Bon, merci petit Quick. Et ben de rien, merci à vous et à demain, avec grand plaisir. On se croisera sans doute. Désolé à tous ceux qui avaient voté pour moi. Voilà. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Dans le chat. Salut. Merci à toi, salut. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé ce tournoi. On va vous proposer une dernière game parce que j'espère qu'on aura le temps de le faire. Pour le moment, les gens ne nous mettent pas encore trop dehors. Si ça traîne trop, peut-être qu'on ne pourra pas le faire. S'ils se dépêchent, peut-être qu'on pourra le faire. Et auquel cas, on sera ravis de vous caster cette game avec ce bon Rof. Et voilà. Je suis content que ça se soit bien passé, qu'on n'ait pas eu de gros soucis techniques. Le setup est... Je suis content, le setup est trop bien, quoi. Je suis content que c'est... En fait, c'est ça. Je suis content que ça ait marché comme dans ma tête, tu vois. Donc, voilà. Là, je me sens seul au milieu de ce grand illuminarium. Mais je vois qu'ils ont fini de jouer. Ils sont en train de s'applaudir tous. Et donc, ils vont venir se casser la gueule les uns les autres. Et ça va être merveilleux. Et regardez qui me rejoint. Tatiana est avec nous. Pam, pam, pam. Et on va passer directement... sur une autre scène. Je te laisse le micro. Je suis désolée, j'ai fait attendre. Tatiana, tu étais en train... Alors, j'ai meublé. Tu as meublé, tu étais vraiment évidemment un boss. Alors, est-ce qu'on aura le temps de faire une game, tu penses? Vas-y, go, go, go. Tu peux me passer le deck bleu là-bas? Ouais. Ok, nice. Tatiana, qui es-tu? N'hésite pas à te... Donc là, je le dis quand même, on est sur Twitch actuellement en live. Et ensuite, cette vidéo sera retransmise sur YouTube. Tatiana, tu as donc été invitée à ce tournoi influenceur Lorcana. Incroyable. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Ok. Fais ta petite promo. Alors, de base, moi, je suis plutôt spécialisée sur les jeux de société, donc vraiment jeux de plateau, etc. J'ai des comptes Facebook, YouTube, Insta, etc., que j'alimente depuis 5 ans. Et en fait, l'idée, c'est que je fais de la présentation en cosplay, en make-up, et donc c'est un total hasard. Marie et moi, on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'on faisait la même chose, donc on adore. Nice. On a fait pas mal de collabs. Et Lorcana, en fait, j'ai découvert vraiment avec Ravens qui faisait un peu sa promo, et je me suis dit, moi, je suis pas très jeu de cartes, j'y connais pas grand-chose, j'ai toujours peur que ce soit trop difficile pour moi et tout. Et là, ça m'intéresse parce que ça a l'air d'être orienté un peu plus familial. Et ce qui était génial, c'est que j'ai plongé dedans. Je suis vraiment pas une bonne joueuse, mais j'aime l'aspect collection. J'aime bien aussi apprendre, tu vois, tester des techniques et tout. Je crée pas du tout de deck. Moi, si je joue, c'est en scellé ou avec les préconstruits qui en commerce. Mais je m'amuse énormément parce que ça me permet de voir d'autres expériences, d'autres types de jeux aussi. Et alors là, je suis ultra fière de moi parce que je viens de terminer une game contre Marie Grandjeu, qui me bat toujours à tout. Et contre Ryan Miller, qui est co-créateur du jeu, j'ai gagné. C'est fou, tu vois. Je me dis, incroyable. La seule fois dans ma vie où je gagne à Lorcana, c'est contre deux joueurs que j'admire. Génial. C'est vrai que Lorcana, on le dit pas assez, parce que bon, c'est vrai que je préfère tout ce qui est duel de jeux de cartes, mais ça peut se jouer à 3 ou 4 assez bien. Et effectivement, là, du coup, il y a eu une game assez patiente. C'est pour ça que t'as mis un petit peu de temps et je voulais quand même que tu finisses et qu'ils te disent, bon, allez, d'accord, t'as gagné. Et effectivement, ils n'ont rien pu faire contre toi. Donc, je pense pas que gagner contre Marie Grandjeu soit un grand exploit. Par contre, contre Ryan, c'est pas mal. Ah, il nous éteint la lumière. On va essayer de jouer vite, meuf. Vas-y. Je te laisse commencer. C'est trop gentil. Ok, tu sais quoi. Excuse-moi, du coup, j'ai pas fait mon mulligan. Ouais, moi j'ai déjà mulligan. Je te laisse commencer. Tu vas pouvoir y aller. Je vais garder ça et ça. Je vais ancrer un machin comme ça. Et puis, je vais mettre rien en jeu. Donc, c'est à toi. 5. On va essayer de faire une partie en blitz, comme on dit chez nous. Et dans le noir, on s'en fout. On s'en fout, on restera jusqu'au bout, il va falloir qu'il nous sorte. Je suis à combien? Je suis à 6 cartes. Ah, parce qu'il y en a une ici. Que j'aurais dû remélanger d'ailleurs, c'était une carte de merde. Donc ça fait 7 et 8. Waouh. Je vous éclaire à la torche. Oh waouh, on est vraiment à l'ancienne. Je vais ancrer Stitch et c'est à toi de jouer. Ok, super. Je pioche une. C'est très nul, c'est pas grave. Tiens, je vais mettre nom, en jeu. Je vais mettre en jeu Wendy Darling. Elle a beaucoup de l'or. Moi, je trouve ça cool, en fait. Donc, ah oui, non, excuse-moi, j'ai oublié d'ancrer un problème, truc. Donc, mais c'est la dernière fois. après, je suis sortie. J'ancre le petit serpent là. Il est bien, la triste cire, effectivement. Oui, et du coup, tu as une petite 1-3. Mais là, le fait que tu aies pris l'avantage, notamment sur le top, enfin, parce que je t'ai laissé jouer, mais. Oui. Tu peux mettre Girl.game, c'est bien. 2 de l'or, c'est très bien, évidemment, une petite 1-3. À moi de jouer. Yes. Alors, moi, il faut que je me défende contre ça. Parce que là, clairement, tu vas prendre un avantage certain. Je pas vais mettre tout. Un chiot en encre, je vais y arriver. Et je vais mettre cette bonne Helga Sinclair. Ok. Qui est une bitch pour 3, déjà, ça s'appelle tricher. Je vais mettre un pandar, pardon.
qui... Je vais pas mettre un pandar, je vais rollback et je vais jouer un Deladuck. Ouais, excuse-moi, je joue vite. Et deux rollback dans le même tour, trois même, c'est magnifique. À toi de jouer. Ok, je pioche, ensuite je relève. Voilà, ça va. Ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer ce que je viens de piocher, parce que c'est trop cher pour l'instant. Je vais mettre un lieu en jeu. Oui, un grabat. Et donc, du coup, je vais incliner Wendy pour gagner deux. Ça marche, il y aura deux de l'or pour... Incroyable. Pour Tatiana. Je vais piocher une carte. Toi, t'as pas de l'or, hein ? Non. Non, je suis une sassama. Je vais ancrer ce bon Robin des Bois, même si je l'aime beaucoup. Je vais mettre une Helga Sinclair, donc cette fois-ci j'ai le droit parce que ça coûte 3. Et enfin, avec des Light Duck, je vais aller taper. J'ai pas le choix. Je veux pas, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Wendy, quoi. J'ai pas le choix. Elle décède. Alors, ça, par contre, c'est une belle triche. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ça, par contre, ça l'est pas mal. Faut l'attendre quand même. À toi de jouer. Au début du tour, du coup, tu vas gagner 2 de l'or. Alors, je pioche un petit machin. Je l'aime pas, je m'en fous. Je vais utiliser le tapis comme volant, ça. Okay, ça marche. Et donc, du coup, je vais mettre un lieu, genre le manoir de Pixon. Bonjour, je fais une petite annonce avant d'aller faire pipi. Mm-hmm. Il y a l'auteur, comme tu l'as gagné, tu l'as battu. Mm-hmm. Il t'offre toutes ses cartes du tournoi d'aujourd'hui. Oh, c'est incroyable! Oh, voilà. Mais c'est génial! C'est trop chouette! Oh, j'adore! C'est en anglais, par contre. Mais c'est pas grave, je suis fluente en anglais. Oh, ok, mais ouais, génial. J'ai pas entendu. Marie disait que, eh bien, elle, comme elle est. Non, je vais pas faire de blague. J'allais faire une blague et puis j'ai arrêté. Comme elle avait perdu, elle avec toi, c'est ça. Ouais. Non, j'ai pas du tout. Ça, ce sont les cartes en fait de Ryan qui, comme elle a gagné, eh bien, du coup, tu repartiras avec. Attends, je peux te dire s'il y a un truc qui vaut de la thune si tu veux. Alors, attends, qu'est-ce qu'il a eu comme. J'ai vu un petit Hades foil, tu vois, mais rien, mais s'il est beau, moi j'aime bien. Qu'est-ce qu'il a eu comme grosse carte? Je regarde surtout les. Est-ce qu'il a eu la. Il a eu cette petite Tinkerbell qui est pas ouf malheureusement en super rare. Simba, je pense que ça pourrait être joué dans les jeux aggro. Il a Prince Eric, ouais. Bon, il a pas eu les meilleures cartes, hein. Mais bon, c'est quand même sympa. Il n'y a pas une légendaire. Hein. Ça n'enlève rien à son. Ça, c'est une très bonne carte. Ça n'enlève rien à son geste. Bon, après, je pense que lui, des cartes, il peut en avoir 2-3, quoi, s'il veut. Je crois. Oh, un petit plutôt folle, ça régale, même si on retrouve dans le starter. Et je crois qu'on arrive à peu près à la fin. C'est très gentil en tout cas de sa part. Il y a des belles cartes. C'est le symbole. Et je vais rien te prendre de ça. Tu vas pouvoir repartir avec. C'est bon. Oh, chouette. On va, parce que sinon, je t'avais dit, bah, on va le parier. On va parier le deck, celui qui gagne. C'est vraiment ça. Bon, tu as mis Agrabah. Non, Agrabah, tu l'avais déjà tout à l'heure. Ouais. Tu as mis le manoir de Picsou. Tu es en mode full lieu. Mm-hmm. Eh bien, c'est parti. C'est à moi de jouer. Je vais piocher une carte. Je vais jouer une carte un peu forte, histoire. Parce que là, il faut vraiment que je commence à casser tes lieux. Sinon, ça va être, ça va être assez problématique pour moi. Alors, j'en ai rien à foutre, je resterai jusqu'à la fin. Ok, pourquoi je joue cette merde, moi? Je vais essayer de changer un peu mon fusil d'épaule. Je vais mettre une reine comme ça, et je vais mettre Yago. Il est 3-2 insaisissable. Oh oui. Il permettra de pouvoir taper fort. Là, en gros, techniquement, je vais avoir 7. Et je crois que les 7. Ah, c'est compliqué. Je pense que je vais mettre les 7 sur ce lieu-là. Ok. Ce sera à toi de jeu. Ça non, non, elle n'est pas morte. Elle est pas encore. Ah non, elle est à 9. Elle est à 9, j'avais vu. Vas-y, à toi. Ok, ça va, je prends 1. Non, ça c'est. Non, c'est de la merde. Pas maintenant. Donc, du coup, je vais ancrer ça. Ouais. Ok. Et donc, du coup, je vais invoquer un Hey Hey. Pour et deux. Hey Hey, qui va pouvoir me faire perdre du lore, mais j'ai une stratégie pour ça. J'en ai pas. Ne pas en mettre. Ça, voilà. Je suis insensible à Hey Hey. Ça, c'est fort. Ouais, et puis. Tu as fait gain 4 ou pas? Tu sais quoi, je vais bouger Hey Hey. Ah mais non, c'est con parce que du coup ouais, mais de toute façon, on s'en fout, voilà, je le mets sur la table, c'est j'ai beau. Pas peur. À voilà. On peut te mettre moins 1 alors. Je pense qu'il y a moyen dans l'appli de mettre moins 1. Allez. À moi de jouer. Enlève une oreille. Ouais. L'autre. Ouais. Et comme ça, tu vas lui parler plus fort. Parce qu'en fait, toi tu t'entends. Super nous, fort. Pas. OK, d'accord. Moi j'entendrais hein. Ah, je peux te baisser si tu veux. Ouais. Ouais, ça je veux bien. Ah ouais, non, ça c'est génial. Parfait. Extraordinaire. Ça va mieux ? Ouais, non, mais c'est vachement mieux. C'est mieux comme ça. Ok, très bien. Moi, mon play, j'en ai deux. Soit je fais ça et ça, et je pense que c'est ce que je vais faire. Tu mets des lieux. Ça peut être intéressant d'être. Mais ceci, attends, je mets combien là ? Donc tu vas déchaîner je la mets, violence. Ouais, je vais déchaîner les enfers là, je suis désolé. Il y aura 3 ici. Il y a AA qui est là, mais je peux pas l'attaquer. Et là, il y a 5. Est-ce que j'ai moyen de tout faire ? Ouais, je crois que je vais juste bêtement attaquer. Ouais, je vais tuer celui-là avec ça, tuer celui-là avec ça. Donc en gros, là, je mets 3 plus 3 pour avoir le 6 ici, et là, je mets 4 pour tuer. Donc Ok, ça va, ça va. Je suis pas un mec très sympa. Lieu, ça va. Et du coup, maintenant que j'ai fait ça, je vois que je suis plutôt dans une position plutôt offensive. Je vais mettre un panda
comme ça. Je vais mettre Ursula et je vais mettre la petite Wendy Darling que tu joues. À toi. Oh, ça c'est sale. Alors, du coup, je redresse. Voilà, c'est très bien. Tu peux afficher Ursula si tu veux, donc, qui est une petite carte sympa. Voilà, je mets un pour deux ici. Oh là là, c'est la guerre, le gang des AA ici. En fait, je vais épuiser ta Wendy et je vais lui défoncer sa mère. Donc, je vais suicider mon AA. C'est super sympa pour sa dérange. Très bien, écoute. Qui s'appelle Darling, je crois. Oui, probablement. Son nom, son prénom, tout en même temps. Donc, du coup, tu vas me. Il va se suicider. Ah, la mère de Wendy n'est pas d'accord, mais on lui demande pas son écoute, consentement. Écoute, c'est un ici. AA kamikaze, grenade. Alors, voilà, je crois qu'il n'est pas kamikaze parce que comme il a deux en défense, et moi j'ai un. Ah oui, je l'avais lu à l'envers, mais en fait, c'est génial. Dans le film, il meurt jamais. Il souffre, mais il meurt jamais. Voilà. Ok, est-ce que c'est à moi? Donc là, tu as payé 3 et 2 pour faire ça, c'est à moi? Ouais, ouais. Ok, je pense que je suis pas trop mal parti dans cette game. On va essayer d'aller vite. Je vais mettre ce truc-là en encre et je vais mettre, bam, Mickey Mouse et Zaza. Ça fait de la puissance. Et ensuite on va essayer de jouer pas trop mal. J'ai pas le choix, je dois attaquer avec Della Duck là-dessus. Mm-hmm. Là, il lui arrive un malheur. Et ensuite je pars à l'aventure à 1, 2, 3. Chaque fois qu'il envoie l'aventure, je fais un personnage adverse qui ne pourra pas être redressé au but de son prochain tour. Mais du coup ça ne fonctionne pas si jamais tu n'es pas incliné. Donc je vais à... Attends, ça je viens de le jouer, ça et ça elle est morte. Ok, je pars à l'aventure à 3 Max s'il te plaît. Waouh. Je suis un peu impressionnée. Bon, écoute, du coup, je vais tout redresser, c'est incroyable. Je vais mettre en jeu une fée clochette pour 4. Une fée clochette qui permet de faire une carte d'avantage puisqu'elle va te permettre de regarder 4 premières cartes. Tu vas me révéler un personnage. Oui. J'ai décidé que j'allais garder un petit... Oh, mais ça, c'est bien, regarde. C'est vrai ? Je vais prendre un petit Don Carnage. Il est bien, non? C'est du sable. Franchement, c'est pas dégueu. Pas mal, et pas du coup, mal, je mets ça comme ça et voilà. T'es sûr que ça va pas en dessous? En dessous? Mais t'es reste sous votre pioche. Ah oui. J'en ai une autre qui permet de les remettre dessus, mais je sais ça, pas. C'est ça. Il y en a qui permet de regarder un petit peu et mettre dessus. Mais effectivement, ça c'est comme ça. Est-ce que AA veut se battre? Mais AA veut partir à l'aventure. Il va partir à l'aventure, AA. Écoute, un. Et tu es du coup à 9 de l'or, j'y vais. Incroyable. Je détape, je pioche. J'ai du coup. Bon, je peux le jouer maintenant. J'ai pioché Billy Bounds qui nous vient de l'Atlantide. Incroyable. De la planète au trésor, pardon. Il y a AA qui me tend ses fesses. Je vais aller le voir avec une carte qui a 4 de défense. Par exemple, je pense au Zaza ou Elga. Ça va être une Zaza. Mais oui, c'est des petits oiseaux, ils se tapent. Oui, c'est ça, ils s'amusent entre eux. Voilà. Ok, très bien. Et je pars avec 1, 2, 3, 4. C'est attends. Mort. Alors, je pioche une, je détape tout, et puis ensuite, je vais mettre, tu sais quoi, je vais mettre Kida en encre, et puis je vais mettre... Le fameux personnage que tu as, et qui a insaisissable. Ouais, c'est ça, et donc, du coup, fais clochette par l'aventure, il n'y a pas le choix. Fais clochette par l'aventure, tu passes à 10, c'est à moi de jouer. Je vais accumuler un petit retard, là. C'est le moment, le twist était déjà il y a 2 tours, mais là, effectivement, ça va être... De plus en plus, on va poser bêtement ce qu'on pioche, c'est un tui. On va aller taper clochette avec Elga puisqu'elle a offensive. Quelle folie. Et je vais pouvoir aller à l'aventure avec 1, 2, 3, 4 Insane. Et 5. Insane. À toi de jouer. Ouais, ok, j'ai pioché une. Oh là 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 là. Alors, du coup, ça vient en jeu. 2 tours. Laisse-moi 2 tours et on y va. Ok. Je tape 6 pour pouvoir mettre les deux en jeu. Donc insaisissable pour le tapis. Et puis ensuite, aboiement que j'aurai plus tard. Ça me permettra de faire un moins 2 en force sur tes machins. Et d'un carnage, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va aller taper? Il va à l'aventure ou est-ce qu'il tape? Non, il va falloir qu'il limite un peu les dégâts. Il limite un peu les dégâts. Non, mais parce que pour pourtant, l'instant. Il est insaisissable, c'est... il préfère aller à l'aventure. Mais là, il sent que le devoir l'appelle. Non, j'ai pas le choix. Il faut que je te tape un petit peu. Donc, alors, quel carton lui va taper? Il va dégager. Non, il va pas dégager lui, c'est lui. Mickey lui. Ça me paraît pas con. Mickey ou Ursula, les deux sont un peu chiants. Ouais, mais Mickey. Mickey, j'aime pas sa tête, il m'a énervé. Alors, on est sur un live Disney. Disney, le boss, Mickey, le boss, évidemment. On veut pas trop l'embêter. Uh-huh. Mais là, effectivement, il lui est arrivé un malheur. Attention! On n'attaque pas, on défie dans ce jeu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je l'ai challengé. On les challenge, effectivement. Et il est donc banni. Ok, on va piocher la petite... on va jouer la petite belle Marianne que j'ai piochée. Oh, wow. Mon board est un petit peu... c'est un peu le bordel. Je vais mettre ma défausse là pour pas qu'on confonde. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça, je m'en fous. De toute façon, il est insaisissable. Je gagne 1, 2, 3, 4, 5,
6 et il ne pourra pas se détaper. 7, à toi de jouer. Donc ouais. Là, tu dégages tout sauf ça, tu pioches, tu joues ta carte et alors, tu me serres la main parce que... Bah oui, parce que j'ai perdu, mais au moins, vas-y, au moins pour le style, j'ai joué... Voilà, la grand-mère Tala qui en plus va chercher ce qu'il faut. Avec un peu de chance, j'ai un kill collectif, oui. Tu vois, on sait pas. Donc j'en pioche 2 et puis ensuite j'en garde 1. Ça n'arrivera jamais. Et là, pour détruire le joueur ciblé. Non mais par contre, chapitre, c'est dommage, je venais piocher un petit porcinet, tu vois, ça aurait été mignon. De toute façon, ça va en dessous de ça. Qui aurait pu aller à l'aventure. T'aimes bien les cartes qu'on jette, t'aimes bien les mettre quand même dans les mettre n'importe où en fait, n'importe où. Effectivement, porcinet qui est une très très bonne carte de l'extension. On va dire, il part quand même sur son tapis volant, il part vers l'aventure, c'est magnifique. Non, c'est incroyable. Ça c'est beau parce que je trouve que jusqu'au bout, tu vas utiliser le pouvoir du rêve. Comment je peux faire moi? Comment je vais faire pour m'en sortir? J'ai un arc de Robin qui m'aurait permis de casser Don Carnage et derrière d'attaquer, et puis j'avais ça, et puis j'avais ça. Félicitations, merci ma chère Tatiana. C'était une game sympathique. On peut dire voilà, que j'ai gagné ce tournoi, bien sûr. Mais non, en vrai, big up à Thomas qui a remporté ce tournoi. Mais on a réussi en tout cas à faire une game ensemble. Et je suis content parce que ça, c'était, cool. c'était pas sûr que ce soit bon. On était normalement censé finir à 19h. Hein. Vous avez vu, oui, on a largement dépassé. Pour nous dire, hein. Dégager. Vraiment, ouais. Tu sais, quand dans une boîte de nuit, il baisse la musique. Ouais, c'est ça. Il y a un garde de sécurité qui te regarde mal là-bas. Donc, du coup, je crois. Eh bien, on va partager à rendre l'antenne. Rappelle-nous vite fait où est-ce qu'on peut te retrouver. On peut me trouver donc sur Twitch, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sous le nom de Girl.Game, où je fais surtout la présentation de jeux de société, mais aussi du jeu de rôle et puis parfois aussi du Lorcana. Donc, n'hésitez pas à venir, c'est cool, on s'amuse bien. Eh ben, en tout cas, tu as l'air d'être une personne très sympathique, ma chère Tatiana. Mon bon Max, bah tiens, du coup. Ok, c'est fin de journée. Je vais en face, on finit proprement. Je garde le contrôle. Merci. Hein. Et puis bah tu repars avec. Merci Tatiana. Bien. Alors. Et voilà les amis. On y est arrivé, putain. ça partait un petit peu mal, mais le taf a été fait, on a réussi à trouver de la connexion internet, en tout cas on a réussi à l'avoir, et on a pu vous proposer un tournoi qui était, je trouve, fort sympathique, avec des personnes très, très diverses, très variées, mais toutes sympathiques, et ça c'est cool, et j'ai pu notamment... interviewé, ou en tout cas on a beaucoup discuté avec Ryan, qui est donc un des concepteurs du jeu, et ça c'était vraiment, enfin en tout cas c'était le point culminant de ma journée. Alors du coup vas-y, l'encre éphémère. Ouais, je lui ai dit, et il me dit non, merci. Il me dit parce qu'en fait on voulait rendre le jeu le plus accessible possible, et du coup si tu rajoutes ça, c'est bien effectivement pour les joueurs de TCG, mais du coup c'est pas bien pour les joueurs qui du coup... Okay, mais du coup on pourrait l'autoriser juste en tournoi. Ouais, je suis pas allé jusque là parce que je sentais que c'était en mode bon... si tu veux. Ah ouais. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait lui il s'est occupé du design du jeu, il s'est occupé de créer, enfin ça fait partie donc des deux personnes qui ont créé le jeu, effectivement les règles et ce qu'on va faire et quelles sont les philosophies de chaque couleur, etc. etc. Ouais, ouais. Mais en fait après toutes les cartes, c'est du coup son co-auteur, moi, qui n'est pas, il n'est pas là aujourd'hui, qui est dessus. Et donc lui, bah, en fait, il joue comme ça un petit peu au jeu. C'est un peu comme toi et moi. Un peu. J'aurais pu designer, on va dire, la base du jeu. Ça, et puis bah, après, c'est lui et son autre gars qui a une équipe et qui charbonne pour faire à la fois les cartes et à la fois un peu quand même les règles du jeu, bien sûr. Et donc voilà, bref, en tout cas c'était vraiment très cool, merci encore à Ravensburger, oui, de nous avoir donné l'opportunité d'être dans un lieu qui était vraiment très cool. En fait, ce qui est bien aussi, c'est que c'est la première fois qu'on fait ça à Cannes, et à Cannes on y va tous les ans. Alors je bouge pas beaucoup de chez moi, mais pour aller au festival international des jeux, c'est vraiment quelque chose qui, enfin en tout cas c'est ma sortie de l'année entre guillemets, j'en ai 2-3 autres, mais ça reste ma principale, et franchement c'est cool d'être ici. C'est trop bien d'avoir un stand aussi grand comme ça de TCG. Ouais, on va pouvoir montrer ce magnifique stand. Et encore, donc là vous voyez que la partie un peu jolie, on va dire, un peu chiadée en termes... Oh, on peut tourner. On peut peut-être voir Ted Etienne qui nous attend. Oh là là, c'est beau. Attention la caméra tourne. Rhabille-toi Marie. Ouais, c'est bon. On a Ted Etienne qui est là. Effectivement, et en fait, ce que je disais, c'est que donc là, on est dans la partie décor, voilà, je vais y arriver, et que là-bas, il y a la partie table où il y a, je pense, je sais pas, une
une petite vingtaine de tables, deux démonstrations pour pouvoir jouer. Et même, il y avait des tournois qui se sont faits ici sur place. Et je trouve ça vraiment cool. Encore une fois, je le dis sans langue de bois, je trouve que l'Orcana arrive bien à mêler à la fois, on l'a vu d'ailleurs, avec notamment Petit Quick et Tatiana, qui se sont mis au jeu de cartes grâce à l'Orcana. Donc ça, c'est vraiment cool, qu'ils prennent du plaisir. Et pas que parce que c'est des personnages Disney. Donc c'est vraiment une très très bonne porte d'entrée dans le jeu. Et moi qui aime beaucoup l'aspect réflexion, ça m'a vraiment plu d'analyser toutes les cartes. Je refais un petit big up évidemment pour ma chaîne, donc sur ma chaîne YouTube, Olivier Rofelos. Vous allez trouver mes analyses carte par carte de toutes les cartes du set 3. Et j'ai qu'une hâte, c'est qu'on soit au set 4 pour le refaire. Et également avant ça, on sera les 10 mars à Vernon, pas très loin en Normandie, enfin pas très loin de l'île de France. Et on va essayer de battre le record du plus gros tournoi de l'Orcana. Et ça qui est cool, c'est qu'on peut à la fois jouer, voilà, moi avec ma petite fille de 6 ans, ça marche plutôt bien. Et derrière, on va affronter des gars qui ont réfléchi pendant des heures et des heures pour essayer de faire les meilleurs decks et de faire les meilleurs plays. Bref, ça rassemble un peu tout le monde, c'est vraiment très cool. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres événements comme ça, que ce soit à Cannes ou ailleurs, parce que c'est vraiment sympathique. Mon bon Max. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux sur live, c'était cool parce que c'est pas une horaire forcément qu'on couvre habituellement. En plus, c'était forcément un petit peu risqué de faire ça à distance. Ça s'est super bien passé, donc moi je suis content techniquement. Je pense que Ravensburger est content qu'on ait pu délivrer tout ça. Et j'espère que vous êtes content qu'on ait pu vivre ça. Oh là là, on récupère. On se fait régaler, merci Laurent. Une petite carte promo. Voilà. Petite carte promo que vous pouvez venir chercher si vous venez au festival. Pendant les deux jours qui restent ici sur le stand l'Orcana, vous pouvez repartir avec cette petite carte promo. C'est quoi les conditions pour avoir la carte promo? Faut acheter quelque chose? Voilà. Ah ouais. Soit vous venez, soit vous achetez des trucs, soit juste vous jouez. Quoi que vous fassiez autour du stand de l'Orcana, vous repartirez avec cette petite carte qui, du coup, j'imagine, n'est disponible qu'ici. Non, justement. Ah! Il y aura d'autres occasions. D'avoir, elle est pas si vous n'êtes pas là, au moins, vous pourrez la récupérer. Peut-être que vous ne serez pas aux autres endroits. Voilà. Donc ça peut quand même être intéressant de venir la chercher. En plus, c'est un petit Picsou. Oui. C'est un personnage qui... Pas la meilleure carte. Bah, en fait, elle joue avec... en fait, c'est une carte, une Unko, je crois, dans ce set. Là, on ne voit pas le... Voilà. En fait, il y a un logo spécial à la place de la rareté. Mais je crois que c'est une petite Unko, une commune. Bon. Qui permet notamment de jouer des objets pour moins cher. Moi qui aime bien le deck objet, c'est peut-être jouable. Je verrai. Mais après, il est 1-3, donc il est un petit peu sensible. En tout cas, bonne extension, cette série 3, qui est sortie aujourd'hui même. Oui. Normalement, si vous allez dans... Alors, il faut aller dans les boutiques spécialisées. Vous avez de quoi récupérer des boîtes ou des starters, hein, bien sûr. Des starters ou des boosters de l'Orcana série 3. Voilà. Et puis, écoute, mission accomplie. Donc, je pense qu'on va aller se reposer un petit peu. Bien joué, mon bon Max. Bien joué, mon ref. Bonne journée à tous ceux qui ont participé à ce tournoi. Yes. Merci à ceux qui l'ont rendu possible. Merci à vous de l'avoir regardé. Et je vous dis à très vite sur cette chaîne. Salut à tous. Ciao. Ciao.